Buongiorno, sono Edoardo Barbieri, stiamo iniziando la nostra giornata di studi dedicata a Jean-François Gilmont. Purtroppo Jean-François è mancato poco meno di un anno fa e ci è parso però bello e giusto ricordarlo con un momento di riflessione sul suo lavoro e la sua opera. Prima di iniziare, però, vorrei subito dare la parola innanzitutto al preside Angelo Bianchi, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della nostra università, facoltà che assieme all'università ha promosso il riconoscimento della laurea honoris causa a Jean-François Gilmont nel 2006. Gli cedo subito la parola. Grazie, grazie professor Barbieri, cari colleghi e illustri ospiti, relatori e partecipanti a questa journée Jean-François Gilmont. A tutti un cordiale saluto e un benvenuto presso l'Università Cattolica, anche se nella forma obbligata dell'online. Questo vuole essere anche un saluto e un auspicio a poter riprendere a breve le consuetudini accademiche dell'incontro, della comunicazione diretta, soprattutto in queste belle occasioni. Comunque, benvenuti lo stesso presso l'Università Cattolica. È per me un onore accogliervi per questa giornata in ricordo di Jean-François Gilmont, che fornisce anche l'occasione di un ricordo a poco meno di un anno dalla scomparsa del grande studioso, avvenuta nel giugno scorso, e a 5 anni esatti dall'attribuzione a Gilmont della laurea honoris causa il 19 aprile 2016. Fu quella una bella giornata nella quale la Facoltà di Lettere e Filosofia e l'Università Cattolica tutta poterono attribuire il riconoscimento pieno del merito accademico e scientifico agli studi di storia del libro e di bibliografia compiuti nella lunga e feconda carriera dello studioso. E in quell'occasione, ricordo bene, Gilmont tenne una vera e propria lectio magistralis, una lezione sui caratteri fondamentali della disciplina di cui era maestro, la bibliografia del libro antico, entrando nel merito dei problemi difficili e complessi della storia del primo secolo della stampa, dei nodi complessi e problematici del rapporto di continuità tra libro manoscritto e libro a stampa, degli stretti rapporti tra la scienza, o meglio arte, come preferiva definirla Gilmont, della bibliografia, e le altre scienze storiche, filologiche e filosofiche. Insomma, un saggio di profonda ed estesa conoscenza della storia della cultura dell'umanesimo e del Rinascimento, attraverso l'affascinante storia del libro. Quella felice occasione fu propiziata dall'iniziativa del collega e professore Edoardo Barbieri, ordinario di Scienze del Libro in Università Cattolica, all'origine anche di questa bella giornata di ricordo e di prosecuzione degli studi. E per questo lo ringrazio ora per questa iniziativa. Con questo ringraziamento rinnovo i saluti più cordiali da parte della facoltà e mia e auguro la miglior riuscita dell'incontro. Un caro saluto a tutti e buona giornata di studio. Non mi sarà possibile fermarmi molto, però ho visto nelle prove il passaggio di alcuni titoli per me molto interessanti. Se riesco, riuscirò, cercherò di fermarmi. Grazie e di nuovo buona giornata. Preside, grazie, grazie davvero di questo cordiale saluto.
Cedo adesso la parola invece all'amico e maestro Giuseppe Frasso, professore emerito di filologia italiana, che fu ai tempi della concessione della laurea honoris causa, era il direttore del Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali, che fu ugualmente tra i promotori di quella iniziativa. Gli do subito la parola. Grazie, professor Barbieri. Sono molto lieto e in realtà onorato di poter dire due parole introduttive per questa giornata. Una giornata che ricorda un uomo dalla straordinaria cultura, amplissima, dalle straordinarie esperienze di tipo umano, oltre che appunto intellettuale. E di un uomo che sapeva, dietro l'aspetto a volte un po' severo, essere molto divertente e simpatico. Ricordo una giornata passata con lui e anche con Luca Rivali e anche con Edoardo. Eravamo stati in mensa a nutrirci nella mensa dell'università e poi abbiamo chiacchierato a lungo girando nei dintorni dell'università mentre andavamo a bere un caffè. E lì è emersa anche l'umanità oltre che la dottrina dell'uomo. A me ha sempre stupito la sua capacità, la sua tempra, non solo di storico del libro, ma di storico tout court. Un uomo che aveva una formazione intellettuale molto solida, che si muoveva con agilità su molte lingue e che sapeva poi fondere in quadri complessivi le sue indagini. Il professor Gilmour a me era noto per i suoi studi su Calvino in particolare, ma anche per la memoria che di lui avevano fatto due amici, il professor Paolo Tomea e il professor Pietro Bassiano Rossi, il primo professore presso la nostra università, il secondo presso l'Università di Torino, che erano stati a lungo a Lovagno e che erano poi tornati parlandomi con grande entusiasmo della cultura, dell'abilità, della tecnica del professor Gilmour. E di questo avevo parlato con Edoardo, col professor Barbieri, che andato poi a Lovagno ebbe modo di entrare in grande contatto, in stretto contatto con lui e di poterne apprezzare la dottrina, la cultura e anche l'umanità. È una giornata importante, direi, quella di oggi, non solo per riandare al giorno fausto della laurea honoris causa, ma anche per mantenere viva la memoria di un uomo che ha avuto il coraggio tante volte di essere controcorrente. Basta pensare ai suoi interventi sul libro di Ginsburg, che in Italia era stato considerato una sorta di monumento non scalfibile, che invece, analizzato con attenzione, poteva mostrare punti meritevoli di ulteriore riflessione. Insomma, un uomo dal quale si è imparato molto e credo si potrà continuare a imparare ritornando sul suo lavoro e sui suoi scritti. Ed è per questo che sono grato al professor Barbieri per aver organizzato questa giornata e soprattutto a tutti coloro che a questa giornata partecipano nella memoria che mi auguro resti sempre viva del professor Gilmour. Grazie, buon lavoro. Grazie al professor Pino Frasso. Iniziamo la nostra giornata con una breve introduzione, un breve saluto che vorrei rivolgere anche io. Come mi è già capitato di ricordare, conobbi personalmente Jean-François Gilmour a Parigi in un gelidissimo dicembre parigino del 1991 e al di là della soggezione che incuteva un giovane studioso, la sua austera e allampanata figura, mi stupì sin da subito lo sguardo all'apparenza severo, ma soprattutto intelligente, furbo e assieme ironico. Quello che celebro perciò qui è innanzitutto, oltre la grande stima intellettuale che mi legava a lui, celebro un rapporto di amicizia, seppur quasi tutto a distanza, lungo un trentennio, un'amicizia della quale vado particolarmente orgoglioso. Occorre anche dire che agli esordi stessi del CRELEB, il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca,
che da quasi un quindicennio dirigo qui in Università Cattolica e che organizza questa giornata di studi, sta anche Jean-François, che fu membro del primo direttivo, conferendogli quell'autorevolezza e quell'apertura internazionale che ancora non aveva. Largo di consigli fu pure riguardo agli esordi dell'Almanacco Bibliografico, il bollettino di informazione che sin dai suoi esordi nel 2006 è online e a libero accesso. Anzi, il numero 1 del marzo 2007 reca un editoriale scritto per l'appunto da Jean-François. Quindi questo per me è innanzitutto un gesto di gratitudine. Ma la gratitudine va, oltre che al professor Angelo Bianchi e a Giuseppe Frasso che sono intervenuti poco fa, agli amici che da Belgio, Francia, Israele, Svizzera e Italia hanno volentieri accettato di prendere parte a questo incontro. Molti di loro, tra parentesi, li ho conosciuti proprio grazie a Gilmont. Un incontro che peraltro apre a un parallelo coordinato convegno che si terrà nel giugno prossimo al Centre d'études supérieures de la Renaissance di Tours. Comune è non solo il desiderio di ricordare l'amico scomparso, ma di mettere in luce quelle qualità di studioso che la sua assai imperfetta carriera accademica, coronata però dalla laurea honoris causa che l'Università Cattolica gli concesse, come è stato ricordato nel 2016, non gli permisero di spiegare con la forza che una più stabile collocazione accademica gli avrebbe certo conferito. Jean-François non ha avuto davvero allievi ufficiali, non ha fondato, come certo avrebbe avuto la capacità e forse anche il desiderio di fare, una scuola. Non ha diretto riviste o centri di ricerca, anche se ha collaborato a lungo e con frutto all'attività della Maison d'Erasme a Bruxelles. Era orgogliosissimo della sua affiliazione all'Académie Royale de Belgique, questo sì, mentre temo fosse piuttosto insoddisfatto dello spazio concessogli dall'Université Catholique di Louvain-la-Neuve. Oltre alle doti umane di cui tutti serviamo un caro affettuoso ricordo, al centro di questa giornata sta perciò l'apporto intellettuale di Jean-François, che abbiamo cercato di declinare lungo 8 relazioni lungo questa giornata. Lo scopo non è ovviamente quello di esaurire con le nostre povere parole le conoscenze e l'apporto scientifico dispensati dal nostro amico lungo l'arco di tutta una vita di studi, ma piuttosto di offrire una base di riflessione per valorizzare e riscoprire la vasta gamma di contributi da lui offerti nell'ambito della storia religiosa, della bibliografia soprattutto del XVI secolo, più in generale della storia del libro. Prima di iniziare le nostre relazioni, ricordo innanzitutto che sulla pagina del CRELEB, se andate nella zona riservata proprio al convegno, sono pubblicati gli abstract di tutti gli interventi. Quelli che verranno tenuti in francese hanno l'abstract in italiano e viceversa. Secondo, che è possibile formulare delle domande usando la chat di YouTube. Abbiamo un regista, che è Francesco Boccardi, che ringrazio, che ci passerà le domande, quantomeno quelle più significative. Proporrei però di posticipare la risposta alle eventuali domande alla fine della mattinata, così capiamo anche un po' coi tempi come siamo andati. Bene, possiamo cominciare. Il primo relatore di questa mattina è Dominique Vary. Dominique Vary, che è stato studente all'École pratique des hautes études e poi dell'École nationale de Chartres, è stato poi professore di storia e poi sotto l'insegnamento di Henri Jean Martin si è specializzato proprio in storia del libro, materia che ha insegnato per lunghi anni sia all'Università di Lione 3 sia all'ANSIB sempre di Lione. È autore di numerosi articoli, soprattutto interventi dedicati soprattutto a questa idea della bibliologia e del Settecento. Questi sono un po' i suoi grandi amori. Recente è un bellissimo libro che ha il titolo divertente di Variation, che gioca su Variation e il suo cognome, che appunto dice Jean du Livre, marronneur et bibliothécaire, cioè gente del libro, imbroglioni, contraffattori e bibliotecari.
nel quale appunto partendo da un percorso di bibliografia materiale arriva proprio a muoverci, a presentare un po' un percorso dentro il mondo del libro e i suoi protagonisti, che sono una folla piuttosto complessa di personaggi che, dice la presentazione del libro, dice che formicolano in mezzo alle pagine dei libri. Gli cedo subito la parola per questa sua relazione che ha per titolo La contribution de Jean-François Gilmont à l'histoire du livre. Merci, cher ami, pour cette introduction. Je vais donc ouvrir mon PowerPoint. J'espère que vous... Non. Alors, j'ai un problème. Ça marchait tout à l'heure. Voilà. Voilà, je pense que vous le voyez. Je vais donc vous entretenir de la contribution de Jean-François Gilmont à l'histoire du livre. Le site GLN 1516 propose une biographie et une bibliographie presque complète de Jean-François Gilmont. Donc, j'y renvoie tous ceux qui auraient besoin de précision. Je rappellerai simplement que Jean-François Gilmont a mené de front une double carrière de bibliothécaire et de professeur à l'Université de Louvain. Il a été conservateur de la Bibliothèque de théologie, puis de la Bibliothèque générale des sciences humaines de l'Université et directeur du service du livre ancien. Il a aussi été professeur, a enseigné l'heuristique en sciences religieuses, l'histoire de l'humanisme, la bibliologie, l'histoire du livre et de la lecture. Il est l'auteur d'au moins 29 ouvrages. Il a co-dirigé 10 ouvrages collectifs et publié 178 articles ou contributions à des ouvrages collectifs. Jean-François Gilmont est d'abord un historien de la Réformation. Dans une première vie, il a travaillé sur la bibliographie d'Ignace de Loyola, en publiant en particulier en 1958 cette bibliographie ignatienne, classement méthodique des livres et articles concernant saint Ignace de Loyola. Puis, par la suite, il s'est intéressé à ce que les jésuites combattaient, c'est-à-dire les réformateurs et tout spécialement ceux de Genève. Il a entrepris une thèse sur Jean Crespin qui a été soutenue à Louvain en 1977 et publiée chez Droz en 1981 avec d'une part un volume de textes, Jean Crespin, un éditeur réformé du XVIe siècle, et d'autre part deux tomes de la bibliographie des éditions de Jean Crespin entre 1550 et 1572, publiées la même année. Le tome 1 donne des notices descriptives à titre court avec des relevés de signatures et d'empreintes, des localisations, des références bibliographiques, tout à fait selon les normes de la bibliographie anglo-saxonne. Le tome 2, lui, reproduit les pages de titre des ouvrages décrits. Après ce travail sur Crespin, Jean-François Gilmont a repris et achevé un travail qui avait été commencé en 1958 par Rudolf Peter, décédé en 1987, sur
les œuvres de Calvin, la Bibliotheca Calviniana, qui est parue en 3 volumes entre 1991 et l'an 2000. Il a donc achevé ce chantier monumental qui avait été commencé quasiment 50 ans avant sa publication. Il a enfin soutenu une thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur sur Jean Calvin et le livre imprimé en 1997, elle aussi publiée chez Drose. Et cette synthèse sur le réformateur genevois et ses rapports avec le livre ont été traduits en anglais dans une édition américaine en 2005. Enfin, beaucoup plus récemment, dans la collection de la Maison d'Erasme, Jean-François Gilmont a publié un petit livre intitulé « Insupportable mais fascinant, Jean Calvin, ses amis, ses ennemis et les autres ». Il y évoque, j'ai repris la présentation de l'ouvrage telle qu'elle est donnée par l'éditeur. Après plus de 45 ans de compagnonnage avec Jean Calvin et sa production imprimée, Jean-François Gilmont en dresse un portrait dans lequel il montre à la fois les qualités éminente du réformateur, mais aussi tous ses défauts qui le rendent bien humain, lui et ses contemporains, ceux qui le soutenaient comme ceux qui s'opposaient à lui. Et en évitant à la fois la calvinolâtrie et la calvinophobie, il rend à Calvin et à ses contemporains un visage beaucoup plus humain, en montrant à la fois ce qui fait leur grandeur et leur mesquinerie, qui sont, somme toute, des qualités, si j'ose dire, bien humaines. Donc, ce compagnonnage avec les réformateurs genevois, avec leur production imprimée, a permis non seulement la production de matériaux scientifiques, mais également de synthèse à la disposition de tout un chacun. La première synthèse réalisée et publiée en 1990 au CERF et traduite en anglais en 1998 est le fruit d'une équipe internationale et interdisciplinaire qui a été coordonnée par Jean-François Gilmont, qui a donné ce très beau livre qui fait toujours référence, La réforme et le livre, l'Europe de l'imprimé, 1517 vers 1570. Et puis, dans un même ordre d'idée, un ouvrage beaucoup plus mince, mais également important, le livre réformé au XVIe siècle, qui est le texte de conférence donné à la Bibliothèque nationale de France, publié dans le cycle de conférences Léopold de Lille en 2005. Enfin, le grand œuvre de Jean-François Gilmont, c'est cette base de données bibliographiques GLN 1516, Genève, Lausanne, Neuchâtel, à laquelle il faut rajouter Morges, qui recense la production imprimée des 15e et 16e siècles de ces quatre villes, qui compte en avril 2021 5111 notices et qui a la particularité d'avoir examiné 99% au moins des livres d'écrit exemplaires en main, ce qui est une performance que dont peu de bibliographes peuvent se targuer. Chose exceptionnelle, cette base de données, qui est donc disponible sur le web, s'est accompagnée d'une édition papier, GLN 1516, les éditions imprimées à Genève, Lausanne et Neuchâtel au XVe et XVIe siècle, publiée chez Drose en 2015.
cette publication papier était une suggestion d'Alexandre Van Houtgarten, complice de Jean-François Gilmont de longue date et alors directeur de la bibliothèque de Genève. Cet ouvrage visait à figer en quelque sorte un état de la recherche en 2015 en publiant sur papier 3684 notices, donc moins qu'il n'y en a dans la base aujourd'hui, mais l'idée était de figer un moment de la recherche pour aider à la synthèse, histoire des religions, histoire de la typographie, de l'imprimerie, histoire littéraire et bien d'autres thèmes également selon les choix des utilisateurs de ce matériau, avec une possibilité que donne l'impression sur papier et que ne donne pas le déroulé ou le déroulement des notices les unes après les autres sur l'écran, c'est celle d'utiliser des index des auteurs, des index des imprimeurs. Enfin, j'attirerai l'attention des auditeurs sur le chapitre conclusif de cet ouvrage intitulé « Une carrière de bibliographe », dans chapitre dans lequel Jean-François Gilmont narre par le menu ses visites à des bibliothèques de l'Europe entière et même au-delà à la recherche des livres qu'il souhaitait décrire en montrant de multiples facettes, certaines très flatteuses, d'autres beaucoup moins, de ce que sont les bibliothèques de recherche et les bibliothèques à fonds anciens. C'est un petit chapitre à lire et à méditer pour tous les amateurs de livres anciens et les chercheurs qui fréquentent les bibliothèques patrimoniales. D'une certaine manière, l'œuvre de Jean-François Gilmont sur la production imprimée réformée a un pendant aujourd'hui avec le travail mené par Andrew Pettigrew à l'Université de St. Andrews en Écosse, qui est d'une génération plus jeune et qui publie lui aussi des ouvrages importants sur le calvinisme, sur le livre français du XVIe siècle, sur la réforme, sur le livre de la Renaissance, en insistant certainement moins sur les aspects de description bibliographique, mais Andrew Pettigrew a cette particularité commune avec Jean-François Gilmont d'être lui aussi créateur d'une autre base de données, l'USTC, Universal Short Title Catalogue, qui est une base qui est toujours en cours de développement, qui a été alimentée par des bataillons d'étudiants britanniques qu'on a lancés à l'assaut des bibliothèques du continent pour y décrire, livre en main, des exemplaires du XVe et du XVIe siècle qui y étaient conservés. C'est donc un travail extrêmement important, toujours en cours, dont sur lequel je n'insisterai pas ici, puisqu'il fera l'objet d'une présentation de l'un de ses initiateurs, qui est aussi mon successeur à l'ENSI, Malcolm Wolseby, dans la journée organisée à Tours. Jean-François Gilmont est donc un bibliographe, comme le rapporte la postface à GLN 1516, il y a un versant bibliographique dans la vie de Jean-François Gilmont, et avec ce livre-là, vous en tenez une partie dans vos mains. Et cette carrière de bibliographe, je l'ai rappelé, il la développe dans le chapitre conclusif de cet ouvrage. Il a donc pratiqué cette bibliographie qui est une science qui a été pratiquée avant qu'on ne l'invente par nombre de personnes dans les époques anciennes. Je pense par exemple à l'inspecteur de la librairie d'Emery
qui, dans la France du XVIIIe siècle, était capable, au vu d'une feuille imprimée, de déterminer si elle avait été produite à Rouen, à Paris ou à Lyon. Je pense à l'abbé Rive, qui a sans doute été le plus grand bibliographe du XVIIIe siècle, un personnage insupportable, infatué de lui-même, mais un très très grand savant, qui, comme Monsieur Jourdain, faisait de la prose sans le savoir, on fait de la bibliographie matérielle sans le savoir et avant qu'on ne l'invente. L'inventeur, c'est sans doute Henry Bradshaw, bibliothécaire de l'Université de Cambridge à la fin du XIXe siècle. C'est à lui que l'on doit les relevés de signature tels que nous les pratiquons aujourd'hui, technique qu'il a inventée vers 1860, et c'est lui qui, dans le texte que vous voyez reproduit à gauche de l'écran, publié en 1870, qui est un index aride à un catalogue d'incunables, développe des propositions pour qu'on étudie les caractères, l'utilisation des caractères, l'utilisation des pratiques de composition, l'utilisation des mises en livre successives par les imprimeurs au cours des temps. Il a donc fondé, porté sur les fonds baptismaux en quelque sorte, cette approche. Richard Beadle du St. John's College de Cambridge lui a consacré les Sanders Lectures de 2015 en montrant qu'il est à la fois l'un des fondateurs de la codicologie et l'un des fondateurs de la bibliographie matérielle. Et malheureusement, ces Sanders Lectures ont été publiés à compte d'auteur à un très petit nombre d'exemplaires, 300 si je me souviens bien, et sont assez difficilement trouvables, ce qui est dommage parce que ce texte est important. Après Bradshaw, les fondateurs de la bibliographie matérielle, des gens dont les noms sont bien connus, Pollard, Proctor, Gregg et quelques autres, ont été des Anglais qui s'intéressaient aux incunables et au théâtre élisabétain. À cette liste, on rajoutera le nom de Ronald McKerrow, qui a publié en 1927 le premier manuel de bibliographie matérielle, « An Introduction to Bibliography for Literary Students », un ouvrage qui a été réédité à multiples reprises et qui, bien que vieilli aujourd'hui, reste toujours utile. À cette première école anglaise a succédé une école américaine au XXe siècle qui s'incarne dans deux personnages principaux, Fredston Bowers, professeur à l'Université de Virginie, qui a une vision très scientiste de la bibliographie et qui est l'auteur de la Bible ou du livre de chevet des bibliographes encore aujourd'hui, les Principles of Bibliographical Description, publié pour la première fois en 1949 et réédité à plusieurs reprises depuis. Et puis, Charlton Inman, professeur à l'Université du Kansas, qui lui a inventé une machine à collationner les exemplaires, qu'il a expérimenté sur les exemplaires du First Folio de Shakespeare, en montrant le nombre très important de variantes de cette première édition des œuvres du Barde. Cette école américaine a été très critiquée à la fin du XXe siècle et lui a succédé une nouvelle école qu'on appelle le New Bibliography qui s'incarne dans deux chercheurs, principalement Philip Gaskell, qui a été bibliothécaire du Trinity College de Cambridge et qui a aussi été le créateur de presse à l'usage des collèges pour la formation des étudiants aux techniques de composition et qui est l'auteur du meilleur manuel actuellement disponible sur le marché, publié en 1972, réédité à de multiples reprises depuis, A New Introduction to Bibliography, qui a aussi été traduit en espagnol. Et puis, plus récemment, cette école s'est incarnée dans Donald Francis Mackenzie, qui a fait une double carrière universitaire, d'abord en Nouvelle-Zélande, puis une fois qu'elle a été à retraite à Oxford, et dont les articles importants, en particulier un article fondateur de 1969, Printers of the Mind, ont été réédités en 2002
par ses élèves dans cet ouvrage intitulé « Making Meaning ». Mackenzie est aussi l'auteur des premières Panizzi Lectures de la British Library, données et publiées en 1985 et rééditées en 1999, « Bibliography and the Sociology of Texts », qui est un ouvrage très important, bien qu'il soit peu épais, et qui a été traduit en français sous le titre « La bibliographie et la sociologie des textes » en 1991, et qui est un des textes majeurs de la discipline. Dans le monde francophone, la bibliographie matérielle a été beaucoup moins développée. On doit citer malgré tout Jeanne Vérin-Forer, conservateur en chef de la réserve de la Bibliothèque nationale, qui donnait un cours de bibliographie matérielle dans le cadre du séminaire d'Henri-Jean Martin à l'École pratique des hautes études. C'est elle qui m'a initié à la bibliographie matérielle. Ces articles ont été réunis dans cet ouvrage intitulé « La lettre et le texte » publié en 1987. Et puis, je vous ai mis à gauche un petit document qui a une dactylographié, qui est un cours qu'elle a donné à l'ENSB, l'École des bibliothécaires françaises, en 1971, et qui est le premier texte, le premier manuel français de bibliographie matérielle sous cet aspect assez artisanal. Au séminaire d'Henri-Jean Martin, avec Jeanne Vérin-Forer, on croisait d'autres gens intéressés par la bibliographie matérielle. Il y avait en particulier Roger Laufer, qui a fait, qui a débuté sa carrière en Australie et qui est l'auteur d'une thèse sur le sage, dans laquelle il utilise la bibliographie matérielle, ce qui lui a valu de se faire assassiner dans les comptes rendus par tous les grands professeurs de littérature de son époque, ce qui, quand on les lit 50 ans plus tard, n'est pas du tout à l'honneur de ces grands universitaires, et qui montre plutôt leur, passez-moi le terme, incompétence. Roger Laufer, qui a terminé sa carrière comme professeur de sciences d'information à Paris 8, a publié en 1972 un manuel pour étudiants intitulé « Introduction à la textologie », divisé en deux parties, dont la deuxième est un manuel de bibliographie matérielle. Donc après le manuel confidentiel pour étudiants bibliothécaires de Jeanne Vérin-Forer, un manuel plus largement diffusé et publié par Larousse. Enfin, on croisait aussi à ce séminaire un Australien, Wallace Kirsop, professeur à l'université Monash, qui a publié en France un petit texte intitulé « Bibliographie matérielle et critique textuelle vers une collaboration » en 1970, dans lequel il voulait inciter les littéraires français à s'intéresser à cette approche anglo-saxonne. Il a malheureusement été assez peu suivi, mais Jean-François Gilmont l'a rencontré au milieu des années 70, a découvert sa brochure, l'a invité à des colloques en Belgique, et grâce à lui, s'est initié à la bibliographie matérielle. Jean-François Gilmont, bibliographe, est d'une certaine manière un élève de Wallace Kirsop. Pour terminer ce panorama des bibliographes francophones, je citerai un autre universitaire belge, Daniel Droix, de l'Université de Liège, lui aussi membre de l'Académie royale de Belgique, qui travaille davantage sur le XVIIIe siècle, et qui est le créateur d'une base de données d'ornement typographique importante pour l'identification d'éditions contrefaites et pirates, qui est la base Morian. Enfin, Jean-François Gilmont a été un formateur. Il a donné, avec la complicité d'Alexandre Van Houtgarten, des ouvrages importants qui sont le fruit de travaux de journées d'études de la maison d'Erasme. Leurs titres en eux-mêmes sont significatifs de cette approche, hein. Édition, impression, traduction des textes, les index à l'époque humaniste, les dédicaces à l'époque humaniste, la page de titre à la Renaissance, les instruments de travail des humanistes, etc.
Jean-François Gilmont a collaboré à un certain nombre de grandes entreprises encyclopédiques. Je n'en donnerai qu'un exemple. Les articles qu'il a donnés au dictionnaire encyclopédique du livre, paru en France en 3 volumes dans les années 2000-2011. Et puis, alors qu'il existait beaucoup de manuels d'initiation aux livres anciens en anglais, je vous en donne ici un petit aperçu des publications les plus récentes, le manuel de Blant, Early Printed Books and Manuscripts, un manuel de 2019, Studying Early Printed Books, et puis le meilleur sans doute de tous, qui est celui de l'Américain Joseph Dane, What is a Book, publié en 2012. Auquel on peut ajouter le grand travail de Michael Twyman sur l'histoire de la typographie, d'abord paru en anglais The British Library Guide to Printing en 1998 et traduit en français en 2007, l'imprimerie Histoire et Technique, qui est sans doute le meilleur manuel actuellement disponible sur l'histoire de l'imprimerie. Donc on a une pléthore de manuels d'initiation en anglais. On n'avait rien en français jusqu'à ce que Jean-François Gilmont nous offre ce petit volume qui est un cours qui a été édité qui a fait l'objet de 6 éditions de 1989 à 2014 sous des titres qui ont un peu varié. La dernière édition, Jean-François Gilmont m'avait fait l'honneur et l'amitié de me demander de la mettre à jour, ce que j'ai fait, et ce petit manuel bien utile a également connu une traduction en italien que mes auditeurs italiens doivent bien connaître. Comme l'écrivait Jean-François Gilmont, la bibliographie mène à tout, même à l'écriture. Il a publié un petit roman sous pseudonyme de Jean-Gilles Monfroy, Maître Abel ou l'imprimeur trompé, qui, à travers les déboires matrimoniaux d'Abel Ribéry, imprimeur de Genève dans les années 1576, décrit les difficultés du travail de l'atelier, les difficultés de ces imprimeurs qui passe par toutes sortes de vicissitudes. Le propos étant que l'épouse de l'imprimeur ayant été trouvée dans les bras d'un correcteur d'imprimerie, celui-ci est emprisonné, mais que du coup le travail de l'atelier est totalement interrompu et que l'imprimeur cocufié en est obligé de supplier les autorités de libérer le fautif pour permettre à son atelier de pouvoir travailler et achever sa tâche. Ce petit roman, qui repose sur des faits véritables, véridiques, vérifiés, est un excellent témoignage sur le vécu des ateliers. Jean-François Gilmont, on peut le trouver aussi sur Spotify, dans lequel il donne un certain nombre de séquences explicatives sur le monde du livre en de la réforme. Et pour en terminer, je voudrais insister sur 2 derniers titres. D'abord, une toute petite chose, la fabrication du livre au XVIe siècle. Ça fait 10 pages. C'est un tiré à part d'un article qui reprenait une communication faite à un colloque en 1978 et qui a été republié dans le livre de mélange de Jean-François Gilmont, Le livre à ses secrets, dans lequel il discute de la fabrication du livre au XVIIIe siècle en convoquant Henri-Jean Martin, Maurice Audin, Charlton Inman, Jeanne Verinforer, Don Mackenzie, Lotte Ellinga et quelques autres pour montrer comment finalement le travail dans les ateliers s'organise de la composition par forme à l'impression en continu. C'est tout petit, mais c'est un modèle du genre de ce que peut faire la bibliographie matérielle.
Le testament bibliographique de Jean-François Gilmont, c'est peut-être le livre et ses secrets, publié à son départ en, publié en 2003, à la fois par l'Université de Louvain et par la Maison Drose, qui reprend 29 articles publiés antérieurement dans divers actes de colloque ou revues. J'inviterai le lecteur à regarder peut-être trois de ces titres. D'abord, la lettre à un bibliographe débutant, pour ceux qui veulent se lancer sur ses traces. Ensuite, une discussion sur bibliographie ou bibliographie, les approches anglo-saxonnes ou plus continentales, et la nécessité, l'indispensable formation du bibliographe, la nécessité de se former aux règles de la bibliographie matérielle si l'on veut faire un travail utile à la communauté scientifique. En guise de conclusion, je reprendrai une citation faite par Francis Sigman dans la préface à ce recueil d'articles où il signalait les regrets d'un littéraire qui disait qu'il reprochait aux bibliographes de regarder les livres et de ne pas les lire. Ce à quoi Jean-François Gilmont répondait, ce que je reproche aux littéraires, c'est qu'ils lisent les livres sans les regarder. Et je citerai deux autres extraits de sa lettre au bibliographe débutant. La bibliographie n'est pas une science, c'est un art. Et puis une constatation bien francophone encore aujourd'hui, bien française aussi, belge sans doute. Malgré les invocations à la bibliographie matérielle, le nombre de bibliographes qui regardent les imprimés n'est pas tellement imprimé dans l'ère francophone. Ce qui nous invite au travail et à suivre ses passes dans la voie qu'il nous a ouverte. Je vous remercie de votre attention. Grazie, grazie a Dominique Varry di questa sintesi così ben fatta che ci permette davvero di mettere a fuoco tanti aspetti dell'attività di Jean-François che verranno poi discussi nelle singole relazioni. Il suo è stato un lavoro complesso che ci permette però appunto una visione d'insieme assolutamente necessaria. Lascerei, come ho detto, la possibilità, gli ha la possibilità di fare le question avec la check di YouTube e quindi lasciamo alla fine della mattinata eventuali domande. Passerei quindi subito la parola a Robert Godding, io dico sempre Godding, ma lui dice che si dice Godding e quindi non si sa come si pronuncia. Padre Robert è membro della società di Bolandisti a Bruxelles, è uno storico che si è concentrato soprattutto sulla storia evidentemente della vita dei santi, soprattutto di epoca merovingica, mi pare, e poi sulla storia stessa della società dei Bollandisti, questa società di gesuiti che ormai da secoli si occupa proprio della agiografia in un senso storico-critico. Ha compiuto studi naturalmente teologici, di scienze storiche, poi all'Università Cattolica di Louvain-la-Neuve, e poi di patristica e archeologia a Roma e di paleografia alla Vaticana. È membro della società dei Bollandisti dal 1990 e ne è direttore dal 1998. È professore anche all'Università Gregoriana di Roma. Tra le tante sue opere ricordo in italiano la bibliografia dedicata a Gregorio Magno 1890-1989. Il titolo della sua relazione è sul periodo giovanile, diciamo così, di Jean-François e si intitola Jean-François Gilmont e la bibliographie de la première compagnie de Jésus. Ricordo che tutti i riassunti delle relazioni sono pubblicati sul sito del CRELEB. Prego. Allora, share.
Ecco. Ok. Buongiorno a tutti, vedete lo schermo? Va tutto bene? Allora. Je n'ai rencontré Jean-François Gilmont que de loin en loin, en particulier lors des séances publiques de l'Académie royale de Belgique, où nous échangeâmes quelques mots, sans plus. Bien sûr, je connaissais ses publications, son immense érudition, mais nos domaines d'études ne se recoupaient guère, mis à part le virus bibliographique qui nous avait contaminés l'un et l'autre. Toutefois, quand notre ami Eduardo Barbieri m'a demandé de présenter l'œuvre jésuite de Jean-François, et bien que je ne sois pas spécialisé dans l'histoire de la Compagnie de Jésus, non me la sono sentito di rifiutare. Et bien m'en a pris. Cette petite enquête sur les débuts de la carrière scientifique de Jean-François a été l'occasion d'une rencontre posthume bien intéressante. Bien qu'il n'ait vécu que 14 années dans la Compagnie de Jésus, Jean-François Gilmont y a eu un parcours atypique. Après ses humanités au collège, ses humanités gréco-latines au collège Saint-Michel de Bruxelles, le même collège que je fréquenterai 24 ans plus tard, il se présente au noviciat jésuite d'Arlon, dans les Ardennes belges. Le 14 septembre 1950. Il n'a que 16 ans, alors que la majorité de ses co-novices en a 18. Ils sont 25 jeunes à entrer cette année-là pour la Belgique francophone. C'est l'année du grand jubilé romain et du triomphe de Pie XII. La province belge jésuite méridionale, donc la province francophone, est à ce moment l'une des plus nombreuses et des plus florissantes de la compagnie. Elle ne compte pas moins de 1167 membres répartis entre la Belgique, l'Inde et le Congo. La compagnie elle-même vient cette année-là de passer le cap des 30 000 jésuites. Terminé les 2 ans de noviciat dans le rude climat des Ardennes, Jean-François passe à l'étape suivante, le juvénat à Wépion, près de Namur. 2 années au cours desquelles les jeunes jésuites suivent un programme universitaire de premier cycle, généralement en philologie classique, mais à l'époque, il y a un tronc commun assez large entre les différentes disciplines des lettres. On peut supposer que Jean-François s'est davantage orienté vers l'histoire. N'oublions pas que la plupart de ces jésuites seront par la suite appelés à enseigner dans les collèges. La province en compte alors 9. Après 1 année dans la faculté des lettres, Jean-François change d'orientation et dédie sa 2e année à l'étude des mathématiques. Vient alors le moment de la philosophie, une exigence canonique pour la prêtrise, 3 ans dans l'immense Scholastica d'Egenhoven, près de Louvain. Lorsque Jean-François y arrive en 1955, la maison ne compte pas moins de 204 jésuites, dont 137 sont des étudiants en philosophie ou en théologie, originaires de Belgique, mais aussi de nombreux autres pays du monde. Il s'agit, en dehors de Rome,
d'un des scolasticas les plus internationaux de la compagnie. Tout l'enseignement se fait sur place, dans la maison. Si, comme nous allons le voir, notre jeune jésuite y a passé de nombreuses heures dans les livres, il n'était pas pour autant renfermé ni solitaire. Nous en trouvons un indice dans le fait qu'en 1956, il est nommé Bidèle, ce qui, en langage jésuite, correspond à coordinateur. Il est en quelque sorte la courroie de transmission entre le recteur de la maison et le groupe des étudiants en philosophie, ce qui laisse entendre qu'il avait une bonne capacité de relation et une certaine autorité naturelle. Un de ses contemporains que j'ai pu interroger lui attribue même, à l'époque, un tempérament frondeur, donc pas nécessairement aligné sur les règles et la discipline. Comme nous savons, ce sont les braconniers qui font les meilleurs gardes-chasse. La philosophie devait lui laisser quelques loisirs, car c'est à ce moment qu'il entreprend son premier ouvrage, un répertoire bibliographique consacré à Saint Ignace de Loyola. L'ouvrage paraîtra en 1958 dans la collection jésuite belge du Muséum Lessianum sous le titre « Bibliographie ignatienne ». Il y a deux noms d'auteurs, Jean-François Gilmont et Paul Damant, un de ses compagnons d'études. Mais l'ordre même des noms tels qu'ils figurent sur la couverture, Gilmont-Damant, au mépris de l'ordre alphabétique, ne nous laisse guère de doute sur celui des deux qui a accompli l'essentiel du travail. Où donc Jean-François a-t-il conçu cette idée de bibliographie? Et plus fondamentalement, comment a-t-il contracté le virus bibliographique? J'en suis ici réduit à des conjectures fondée sur ma propre expérience dans la Compagnie de Jésus. Je soupçonne qu'un rôle essentiel a été joué par la bibliothèque d'Egenhoven et par son bibliothécaire. Détruite par le feu en 1940, la bibliothèque d'Egenhoven avait été restaurée et énormément amplifiée par le génie du père Charles Martin. Celui-ci, déjà durant la guerre, avait sillonné la France, sollicitant bibliothèques, éditeurs et même certains auteurs, comme le chanoine Le Roquet, pour obtenir des livres. En une quinzaine d'années, il avait amassé 350 000 volumes, couvrant surtout la philosophie et la théologie, mais également les humanités au sens large, et un grand nombre d'ouvrages anciens. Le père Martin était un bibliothécaire à l'ancienne. Spécialisé en patristique, il connaissait bien l'histoire de l'érudition et celle des grandes collections et entreprises éditoriales. Au moment où Jean-François arrive à Egenhoven en 1955, la bibliothèque est déjà à l'étroit et le père Martin songe à la construction d'un nouveau bâtiment d'une capacité de 800 000 volumes, qui sortira de terre 2 ans plus tard. J'imagine que, comme je l'ai été moi-même quelques 23 ans plus tard, Jean-François a été fasciné par cette énorme bibliothèque, sans doute la première grande bibliothèque qu'il découvrait. Il a dû dès lors immanquablement attirer l'attention du père Martin et entamer avec celui-ci des conversations bibliographiques. Quant à l'objet de la bibliographie, Saint Ignace, il se comprend bien dans le contexte de l'époque, qui connaissait, particulièrement dans l'ère francophone, un véritable regain d'intérêt pour les sources relatives à la vie du saint et à ses écrits. Les jésuites français lancent la revue Christus en 1954, revue de spiritualité ignatienne, où se trouve notamment publiée pour la première fois en traduction française une série de textes
appartenant à l'histoire d'Ignace et de ses premiers compagnons. En 1956, paraît dans la collection du Muséum Lessianum sous le titre « Le récit du pèlerin », la nouvelle traduction française de l'autobiographie d'Ignace par le père André Thiry, qui connaîtra une grande diffusion. 1956 marque par ailleurs le quatrième centenaire de la mort de saint Ignace, lequel centenaire a évidemment suscité un grand nombre de publications. Dans l'introduction qui ouvre le répertoire, Gilmont se réfère précisément à, je cite, « l'essor grandissant des études relatives aux origines de la Compagnie de Jésus, en particulier de son fondateur, saint Ignace de Loyola ». Ce mouvement a été rendu possible, d'après lui, par la publication des Monumenta Historica Societatis Jesu, l'édition critique des sources historiques menée par l'Institut historique de la Compagnie de Jésus à Rome et commencée en 1894. Aussi choisit-il cette année 1894 comme point de départ de sa bibliographie. Le point d'arrivée est l'année 1957, ce qui permet d'inclure les publications de l'année jubilaire 1956. Pourquoi cette bibliographie ? Écoutons encore Gilmont. Le nombre considérable d'ouvrages et d'articles parus depuis 60 ans et leur dispersion en des revues ou recueils de langues ou de pays différents rendent actuellement malaisée une connaissance de l'ensemble de cette littérature. Il nous a donc paru opportun de faire connaître ses multiples travaux dans une présentation systématique et ordonnée. C'est ce qui nous a déterminés à entreprendre cette bibliographie. Elle s'adresse non seulement aux historiens et aux spécialistes des questions religieuses, mais elle a été conçue pour aider tous ceux qu'intéresse la spiritualité ignatienne. Ce répertoire, qui couvre donc 63 ans, compte 2872 numéros, ce qui est une belle moisson. À titre de comparaison, juste la Bibliographia di Gregorio Magno, que j'ai publiée à Rome et qu'a bien voulu rappeler Eduardo Barbieri en introduisant mon exposé. Donc cette bibliographie qui couvre un siècle de publication compte 2608 numéros. Donc contre 2872 pour la bibliographie ignatienne. En tout cas, cela me permet d'imaginer très bien, pour avoir mené un travail similaire, le labeur considérable qu'a représenté l'élaboration de ce répertoire. L'ordre adopté est systématique, répartissant les titres en sections et en sous-sections, dont chacune comprend au maximum une trentaine de titres. Ce nombre limité réduit l'inconvénient de l'ordre alphabétique des auteurs à l'intérieur de chaque section, ordre que Gilmont a préféré à l'ordre chronologique, qu'il aurait peut-être fallu choisir. Chaque titre n'est mentionné qu'une seule fois in extenso, mais peut apparaître ailleurs sous forme de renvoi. Ça et là, une brève note explicite le contenu de telle ou telle publication. Seules les publications dans les grandes langues européennes occidentales, incluant le néerlandais, sont retenues. L'ouvrage est complété par une table alphabétique des matières et un index des auteurs. La typographie et la mise en page ont été parfaitement étudiées et concourent à une présentation très claire et suffisamment aérée. Jean-François Gilmont et son coéquipier Paul Damant devaient être très conscients d'avoir réalisé une œuvre peu banale. En témoigne la dédicace au très révérend père Jean-Baptiste Janssens, 1907-1957. Le père Janssens, originaire de la province belge septentrionale, était supérieur général de la Compagnie de Jésus depuis 1946. Les années 1907-1957 indiquent son jubilé de 50 ans de vie religieuse. Par ailleurs, l'ouvrage est préfacé par l'historien de la compagnie le plus en vue à l'époque, le père Hugo Rahner, frère du célèbre théologien
connu pour ses études très nouvelles sur la correspondance de saint Ignace, notamment avec les femmes, et sur la spiritualité qui s'en dégage. Lorsque la bibliographie ignatienne sort de presse dans les premiers mois de 1958, Jean-François, qui a alors seulement 24 ans, n'est plus à Eggenhoven. La formation jésuite prévoit en effet une interruption des études entre la philosophie et la théologie. Cette étape de la formation est appelée la régence, en italien magistero. Cette interruption dure normalement 2 ans et a pour but de confronter le jeune jésuite à la vie réelle. Jean-François est envoyé au collège de Mons, dans le Hainaut, où il est surveillant en charge de la discipline, tout en enseignant les mathématiques dans 2 classes de 4e latine. L'expérience habituelle des jésuites en régence est d'être surchargé de travail. Il ne faut donc pas nous étonner si, durant cette période, qui s'étend de septembre 1957 à juin 1959, Jean-François ne produit pas de nouveaux répertoires. Terminé ses 2 ans de régence, Jean-François se retrouve à Louvain, mais en ville cette fois, dans le vieux Scholastica de la province belge, désormais dépendant de la province septentrionale flamande. Ce bâtiment accueille les jeunes jésuites qui étudient à l'université. 30 d'entre eux sont issus de la province méridionale. Quelques-uns sont déjà prêtres, mais la plupart sont encore scolastiques. C'est en fait seulement 2 ou 3 ans auparavant que le cursus des études jésuites dans la province belge méridionale a été modifié. Alors que précédemment les études universitaires étaient limitées aux 2 premières années, le premier cycle, le baccellariato, on juge désormais nécessaire que chaque jésuite soit titulaire d'une licence universitaire, une laurea. Ceci en vue de l'enseignement dans les collèges, puisque les accords par lesquels le gouvernement accepte de subsidier l'enseignement catholique impose aux professeurs de posséder les titres universitaires requis. On trouve donc dans ce groupe de jeunes jésuites des étudiants en philologie classique, pédagogie, sciences économiques, mais aussi en physique, chimie, zoologie, mathématiques. Jean-François est inscrit en 2e année d'histoire. Il n'avait pas achevé le premier cycle à Namur, rappelons-le. Ayant conclu ce premier cycle en histoire, Jean-François ne poursuit pas ses études à Louvain, mais est envoyé à Rome, au Scholastica du Gesù, Piazza del Gesù, où je me retrouverai moi-même 23 ans plus tard. Il est inscrit à la faculté d'histoire ecclésiastique de l'université grégorienne. Son cas devait être très particulier. Cette faculté n'offrait qu'un 2e cycle et un doctorat, le 1er cycle étant supposé être le baccalauréat en théologie. Un étudiant jésuite non prêtre et pourvu d'un diplôme de candidat en histoire civile devait constituer une remarquable exception. Nul doute que la bibliographie ignatienne constitua un précieux sésame permettant de fermer les yeux sur l'absence d'un titre en théologie. Le cursus des études en histoire ecclésiastique était normalement de 3 ans, mais il parvient à finir le tout en 2 ans. La 2e année le voit vivre non plus au Scholastica du Gesù, mais à la Casa degli Scrittori, la maison des écrivains, siège de l'Institut historique de la Compagnie de Jésus, et qui se trouve en fait dans un bâtiment adjacent à la Curie, au Borgo Santo Spirito. Sa bibliographie ignatienne avait évidemment été remarquée, et lui-même n'aura sans doute pas manqué d'établir rapidement des liens avec les membres de l'Institut historique. Mais il y avait une raison supplémentaire. En juin 1961, alors qu'il termine sa 1re année à la faculté d'histoire ecclésiastique,
Jean-François est déjà fort avancé dans la compilation d'un second répertoire bibliographique pour lequel les ressources de la bibliothèque de l'Institut historique de la Compagnie ainsi que les archives de l'ordre conservées au même endroit lui seront nécessaires. Ce répertoire sort de presse en décembre 1961. Jean-François a alors 27 ans. Il est intitulé « Les écrits spirituels des premiers jésuites, inventaire commenté ». Il est publié dans la série « Subsidia ad historiam societatis Jesu » de l'Institut historique de la Compagnie et de façon bien sympathique est dédié aux scolastiques avec qui j'ai découvert et aimé la Compagnie de Jésus. Contrairement à la bibliographie ignatienne, il s'agit ici d'un ouvrage fort original qui témoigne, chez l'auteur, âgé de 27 ans, d'une maturité exceptionnelle et d'une stupéfiante maîtrise de l'histoire des origines de la Compagnie de Jésus. Comme l'introduction est datée Eggenhoven 1955, Rome 1961, il semble bien que Gilmont a entamé ce travail alors même qu'il était en train de compiler sa bibliographie ignatienne. L'introduction expose avec autorité l'objet de ce répertoire et son utilité. En soulignant l'importance du contact avec les sources, Gilmont se réjouit de ce que le mouvement de retour aux sources ait atteint la spiritualité ignatienne. Celle-ci, dit-il, ne saurait se réduire aux seuls écrits d'Ignace. Aucun écrivain, aussi doué soit-il, et ce n'était pas le cas d'Ignace, écrit-il, ne peut prétendre exprimer toute sa pensée par la plume seulement. Il y a aussi le témoignage de sa vie, de ses actes, son enseignement oral, dont ses disciples immédiats sont les témoins privilégiés. Pour se familiariser avec le message ignatien, il faut donc interroger aussi ses contemporains. Le répertoire se propose donc d'inventorier les écrits spirituels rédigés par Ignace et par les jésuites qui l'ont personnellement connu. L'accès à ces documents n'est toutefois pas aisé. Il y a la difficulté des langues, le latin, l'espagnol, l'italien, mais aussi la richesse même de la documentation, dont l'abondance risque de faire perdre pied au lecteur. Et si de nombreuses sources ont été publiées dans les Monumenta, il n'est pas facile de se retrouver dans les méandres de cette énorme collection. D'ailleurs, écrit Gilmont, l'abondance des sources explique aussi que certains textes restent cachés dans les manuscrits ou dans de poussiéreuses éditions du XVIe siècle, tandis que la dispersion des multiples publications plus récentes désoriente parfois jusqu'au chercheur lui-même. Dans le présent répertoire, nous avons voulu offrir une sorte de guide qui aide à découvrir ces pages pleines d'enseignements vitaux, relever les documents spirituels de valeur, indiquer brièvement les circonstances qui ont présidé à leur élaboration, en préciser le contenu et la portée, donner enfin la bibliographie relative aux publications de l'original et de ses traductions. Tels sont les principaux renseignements que notre inventaire a tenté de rassembler. Si nous examinons le contenu du répertoire, en fait, pas moins de 341 écrits dus à Saint-Ignace et à 29 autres auteurs y font l'objet d'une présentation qui peut varier de 5 lignes pour les plus brèves à 2 pages pour les plus longues, toujours suivies des références aux éditions et aux traductions. Un index alphabétique général renvoie aux noms de personnes et aux thèmes étudiés. Gilmont, historien de formation, est conscient des dangers que peut présenter une recherche non éclairée. On peut, en opposant deux textes, montrer que Saint-Ignace affirme une chose et son contraire.
En fait, souligne-t-il, il ne faut pas se laisser égarer par un point particulier, mais considérer l'ensemble, tenir compte du contexte historique, des circonstances. Aussi a-t-il introduit dans son inventaire un certain nombre de récits au contenu plus historique que strictement spirituel, qui devraient permettre au lecteur de reconstituer l'atmosphère dans laquelle s'élabore la spiritualité de l'ordre. La même préoccupation l'a incité à multiplier les notes et les références. Dans un répertoire de ce genre, écrit-il, nous pouvions nous permettre une érudition, peut-être un peu lourde, mais certainement fort utile pour amorcer les recherches ultérieures. Plusieurs conclusions se dégagent d'un simple parcours de ses écrits, poursuit Gillemont. Si les premiers jésuites n'ont pas composé de synthèse sur la spiritualité de leur ordre, ils n'en ont pas moins abordé presque tous les thèmes de la vie spirituelle. Et ils l'ont fait dans une grande diversité de genres littéraires. Dières personnelles, instructions religieuses données aux communautés jésuites, correspondances, traités et mémoires destinés aux membres de la compagnie, biographie d'Ignace, opuscule publié par des jésuites à l'intention des laïcs. L'introduction se conclut par un bilan de la recherche et une évocation du travail encore à accomplir. Gillemont parle ici avec l'assurance du chercheur expérimenté qu'il est déjà à 27 ans. Le répertoire se présente donc à la fois comme une introduction destinée à ceux qui s'intéressent aux écrits des premiers jésuites et comme un manuel bibliographique pour l'historien de la spiritualité. Un second volume, publié la même année par le père Iparraguirre, spécialiste reconnu des exercices spirituels, fait l'inventaire des écrits spirituels des jésuites depuis la mort de saint Ignace à celle du père Acquaviva, donc de 1556 à 1615. Une intéressante remarque de méthode laisse pointer le Gillemont qui se fera connaître comme historien du livre. L'historien de la spiritualité, remarque-t-il, ne peut manquer de s'intéresser à la diffusion et donc à l'influence des documents qu'il étudie. C'est la raison pour laquelle le répertoire offre en appendice une liste chronologique des éditions Princeps des opuscules répertoriés. Pour les plus importantes de ces éditions, il indique en note les exemplaires conservés dont il a connaissance. Ce n'est là qu'un début, écrit-il, puisqu'il faudrait, pour une connaissance exacte de ces influences, établir la liste complète de toutes les rééditions successives. Sur ce point, les quelques sondages que nous avons pu tenter montrent que la bibliographie de Sommervogel, malgré sa richesse, est parfois fort incomplète. C'est dans cette ligne, déjà plus tournée vers l'histoire du livre, que se situe un article co-signé par le père Candido de Dalmases, spécialiste reconnu des origines de la compagnie, et Jean-François Gillemont, dans la revue Archivum Historicum Societatis Jesu, publiée en 1961, intitulée Las Obras de San Francisco de Borja. Divisé en trois parties, cet inventaire considère successivement les œuvres, les éditions et les manuscrits. Bien que la part de chaque auteur ne soit pas précisée, on peut penser que la section consacrée aux éditions soit due principalement à Gillemont. D'autant plus qu'un exemplaire de la plus ancienne édition, ici, d'une œuvre de saint François de Borgia, était justement conservé à la bibliothèque des Jésuites de Louvain. 52 éditions sont répertoriées, publiées entre 1548 et 1960. Les publications les plus anciennes y font l'objet d'une notice fort approfondie où se déploie toute l'érudition du bibliographe. Les deux répertoires, le second surtout,
ainsi que cet article, nous montre la maîtrise exceptionnelle que Jean-François Gilmont avait acquise en peu de temps dans le domaine de l'histoire des origines de la Compagnie de Jésus, des sources relatives à cette période, de leurs éditions et de la bibliographie qui s'y rapporte. Sa carrière était toute tracée. Au terme de ses études de théologie, il aurait certainement été destiné à l'Institut historique de la Compagnie. Et parmi les travaux qu'il aurait menés, on aurait sans doute trouvé, entre autres choses, un supplément à Sommervogel. Mais la vie réserve des surprises. Revenu à Eggenhoven pour y commencer sa théologie en septembre 1962, il quittera la Compagnie de Jésus en 1964. Il abandonne alors complètement le filon de l'histoire de la Compagnie, dans laquelle il avait acquis une telle expertise, pour se tourner vers la Réforme. Dès 1966, il présente son mémoire de licence en histoire à Louvain, dédié aux martyrologes protestants du XVIe siècle. Le voilà dès lors bien embarqué dans l'histoire du livre au temps de la Réforme. Je vous remercie. Sono grato a Robert per questa bellissima relazione e sono contento con me stesso di avergli un po' forzato la mano ad accettare questo incarico perché ci ha disvelato un pezzo della produzione di Jean-François che nessuno di noi aveva mai davvero frequentato, se non così velocemente, e che invece ci ha mostrato veramente un percorso così interessante. Max Ngamara ha scritto ringraziando Robert per questa bellissima lezione e anche io lo ringrazio e siamo tutti davvero grati. Nel frattempo sono arrivati diversi saluti, ci sono le figlie di Jean-François che salutano, c'è Lisa Schwarzfuchs da Gerusalemme che ci saluta, c'è una nota anche che possiamo far vedere di Renaud Adam che ci conferma una affermazione che ha appena fatto padre Robert Godding, perché dice appunto che davvero c'è un legame con questo padre Martin, come lui stesso ci può testimoniare direttamente. Quindi diciamo così, c'è anche una, poi ci sarà, siccome vogliamo pubblicare gli atti di questa lezione, ci sarà modo, e anzi lo chiedo a chi ha qualche informazione aggiuntiva, qualche correzione, di farle avere, ce le possiamo scambiare, farle avere l'un con l'altro, perché davvero non solo la scienza si fa così, condividendo, ma diciamo così, il legame di amicizia con Jean-François ci rende ancora più facile poterci aiutare e sostenere in questo lavoro che deve rendergli onore. Bene, passiamo alla successiva relazione, siamo leggermente in ritardo ma di pochissimo, relazione che è affidata a Luca Rivali. Luca Rivali è un mio allievo, ha studiato all'Università di Udine, dove ha fatto anche il dottorato, poi è stato un certo periodo a Louvain-la-Neuve. Si è occupato e si occupa di storia del libro, soprattutto del 4 del 500, ma anche di storia della bibliografia e anche di biblioteconomia, di questioni relative alla gestione delle biblioteche. Quindi ha uno sguardo piuttosto ampio sulle nostre discipline. Ha pubblicato numerosi interventi, anche volumi, ha curato numerosi volumi anche, è redattore attualmente della Bibliofilia, quindi ha un impegno gravoso dietro al direttore, che è un po' difficile come personaggio. E tra le sue vari impegni, però, vorrei ricordare quello prolungato a Gerusalemme presso la Biblioteca Francescana. È un lavoro nel quale mi ha affiancato e che sta dando tanti frutti belli. Di in questo progetto
libri Ponti di Pace, sia frutti, diciamo così, umani, sia frutti anche scientifici molto importanti. Lui è stato il primo dei miei allievi ad andare là e ha iniziato veramente questa piccola tradizione di lavori. Oggi si è assunto, soprattutto però Luca è il traduttore italiano del manuale di Jean-François, che è stato citato prima da Dominique Vary. Lo ha tradotto ancora quando era un ragazzo davvero, perché aveva la laurea triennale e solo quella ancora. Oggi ci parlerà, proprio rifletterà su Jean-François in quanto bibliografo. Infatti il titolo è Jean-François Gilmon, bibliografo, riflessioni di pratica e di metodo. Gli cedo subito la parola. Grazie professor Barbieri per questa fin troppo lusinghiera presentazione. Comincio in qualche modo da dove ha finito la relazione precedente, cioè Jean-François Gilmon, dal punto di vista cronologico, se guardiamo la cronologia delle sue pubblicazioni, prima di essere appunto storico della riforma e di tanti problemi legati proprio anche alla storia del libro in senso stretto, è stato bibliografo. E tuttavia non subito bibliografo del libro antico. Il suo primo lavoro, come abbiamo sentito nella bellissima relazione di Robert Godding, è stata proprio la bibliografia ignaziana del 1958, e che possiamo, se vogliamo usare delle categorie strettamente bibliografiche, porre nell'ambito della bibliografia enumerativa, sostanzialmente però del libro moderno. Ci vogliono 23 anni per arrivare da questo primo lavoro bibliografico alla prima grande impresa bibliografica di Gilmon, che è appunto la Bibliographie des Éditions de Jean Crespin, pubblicata nel 1981. E in questi 23 anni Gilmon non pubblica tantissimi lavori, l'abbiamo sentito, però studia tanto e contrae quello che abbiamo sentito definire da Dominique Vary il virus della bibliografia. Prima ancora lavorando agli scritti spirituali dei primi gesuiti, e qui diciamo così, la cronologia comincia a spostarsi più indietro, e poi con il lavoro realizzato insieme a Lodewijk Brouwers nel 1977, cioè nell'ambito della Biblioteca Belgica, gli studi su Carolus Scribani. Quindi diciamo così che in questo periodo lungo di formazione e di prima produzione, Gilmon non solo persegue i suoi studi storici, ma come lui stesso dice, produce anche una serie di lavori con una forte componente bibliografica, usa proprio questa espressione. Anzi, lui dice, la parte più innovativa del mio lavoro su Jean Crespin risiede proprio nell'analisi approfondita e dettagliata della produzione a stampa di questo tipografo. Non è un caso che questo studio su Crespin maturi nell'ambito appunto di un percorso di studi prettamente storici, ma generi di fatto due pubblicazioni diverse. Una di, potremmo definire proprio di storia del libro, Jean Crespin, un éditeur réformé du XVIe siècle, 1981, e poi la già citata bibliografia delle edizioni di Jean Crespin, sempre del 1981, quindi due lavori che si completano, si integrano uno con l'altro. In questo periodo però, ed è la cosa che per certi versi è in parte emersa, ma che è anche forse la più interessante, è che in questo periodo di formazione Gilmon matura anche una struttura della scheda della descrizione bibliografica che rimarrà sostanzialmente inalterata nel corso del tempo. La troviamo pressoché identica nella monumentale biblioteca calviniana
pubblicate in tre volumi, come abbiamo sentito, tra il 1991 e il 2000, e anche qui intervallata da un volume di carattere storico dedicato a Jean Calvin, cioè Jean Calvin e les livres imprimés, pubblicato nel 1997, e poi nel momento che rimane ancora del lavoro di Gilmon, cioè GLN, cioè la grande bibliografia delle edizioni di Ginevra, Losanna e Neuchâtel del XV e XVI secolo, che, come abbiamo sentito, dal 2017 è liberamente accessibile sul sito della Bibliothèque de Genève, e che nel 2015, grazie soprattutto a un'iniziativa e all'insistenza di Alexander Van Oort-Gerten, ha avuto anche un volume, una pubblicazione cartacea, che in qualche modo segna, anche in questa tradizione appunto di volumi cartacei, un punto davvero importante nel lavoro, nella storia di Gilmon bibliografo. Solo per ricordare, è già stato detto, ma mi sembra importante sottolinearlo ancora, GLN ha richiesto circa 30 anni di lavoro da parte di Gilmon, comprende oltre 5.100 schede bibliografiche, di cui oltre il 99% sono state realizzate libro in mano. Gli esemplari segnalati sono oltre 68.000, la più parte visti direttamente dall'autore, che considerava quest'opera sostanzialmente un'opera conclusa, anche se, come sappiamo e come vedremo tra poco, la bibliografia, anche nel Magistero di Gilmon, è un lavoro che non finisce mai. Ho detto prima che il modello descrittivo di Gilmon matura appunto in questi anni di formazione ed è già presente nella bibliografia di Crespin nel 1981. Ho detto però sostanzialmente, perché in realtà ci sono delle piccole variazioni. Non voglio però soffermarmi su questo, rimandando qualche osservazione agli atti, perché sarebbe eccessivamente noioso andare a vedere appunto minuzie di questo tipo. Vorrei invece rispettare piuttosto il titolo che è stato dato al mio intervento, cioè parlare un pochettino più del metodo. Pur avendo parlato spesso di come si fa la bibliografia, di che cos'è il lavoro bibliografico, Gilmon non è stato un teorico della bibliografia. Per Gilmon la bibliografia ha sempre una connotazione pratica, è una pratica, e il risultato è sempre un repertorio bibliografico. Può sembrare un discorso, un'affermazione scontata, ma scontata in realtà non è, perché appunto dire che il risultato di un lavoro bibliografico è un repertorio bibliografico non è scontato, lo vediamo spesso, insomma, nel nostro mondo contemporaneo. Non è un caso che il suo manuale, che è stato menzionato da Dominique Varrier, di cui io ho curato l'edizione italiana, non sia un manuale di bibliografia, ma sia un manuale di storia del libro, secondo un principio in qualche modo che viene dal mondo anglosassone, dall'analytical bibliography, cioè per fare bibliografia del libro antico bisogna sapere come è fatto, bisogna sapere come è stato prodotto questo oggetto di cui mi occupo e che vado a descrivere. Nei suoi scritti però Gilmon, cioè negli scritti di Gilmon troviamo però spesso temi che potremmo definire così, tra virgolette, proprio da manuale, che potremmo trovare, espressioni, passaggi che possiamo trovare in un qualunque manuale di bibliografia, sempre o quasi sempre arricchiti dalla propria esperienza personale. Gilmon ha parlato spesso non solo di come si fa la bibliografia, ma di come faceva lui, e anche delle difficoltà che di volta in volta veniva a incontrare visitando una biblioteca, descrivendo un'edizione. Gli scritti di Gilmon, se vogliamo, escludendo ovviamente le
introduzioni, le varie introduzioni ai lavori bibliografici veri e propri, scritti sulla bibliografia, sono frequenti e sono sostanzialmente stati riuniti nel volume Le Livre Sacré del 2003. Su sei sezioni in cui i saggi di Gimond, alcuni editi, alcuni inediti, come sappiamo, sono stati raggruppati, sono ben tre le sezioni che si occupano appunto di bibliografia. In particolare la sezione 2, Approche bibliographique, si intitola, e contiene appunto quattro saggi, alcuni editi, altri pubblicati per la prima volta in quel volume nel 2003, in cui appunto discute di bibliografia. Poi c'è la sezione quarta, dove sono contenuti altri quattro scritti raggruppati sotto il titolo Lire une bibliographie, cioè leggere una bibliografia, e vedremo che questo è un altro tema importante nel magistero di Gilmont. E poi nella sezione sesta, Regard critique, compaiono, la sezione non è integralmente dedicata al metodo bibliografico, alla bibliografia, però compaiono almeno due scritti importanti, uno sulla formazione del bibliografo e uno appunto sulle tradizioni, in particolare sulla tradizione francese della bibliografia e la tradizione anglosassone della bibliografia. A questi scritti, ovviamente poi dopo c'è sempre nelle Livre Sacré, quello che è uno, secondo me, dei piccoli capolavori di Jean-François Gilmont, che apre proprio questa raccolta, che è la Lettre à un bibliographe débutant, che è veramente, che dà la cifra, secondo me, di chi era Jean-François Gilmont, non solo del suo metodo di lavoro, ma anche dell'ironia con cui sapeva trattare temi complessi e apparentemente anche piuttosto noiosi. A questa raccolta di Le Livre Sacré aggiungerei un testo, uno scritto già citato, che è la postfazione al volume di GLN, appunto al GLN cartaceo, cioè il saggio Une carrière de bibliographe, che è orientato però più che sul lavoro bibliografico in senso proprio, cioè sulla descrizione bibliografica in senso proprio, a come si fa ricerca in biblioteca, mostrando anche il passaggio tra un mondo delle biblioteche in qualche modo analogiche, con i cataloghi ancora a schede, al mondo delle biblioteche digitali, nel senso delle biblioteche con cataloghi elettronici, prima in locale e poi in opac. Oltre a questo, però, aggiungerei anche la Lectio Magistralis che è stata citata dal preside, che ha tenuto Jean-François Gilmont nel 2016 in occasione del conferimento della laurea honoris causa all'Università Cattolica di Milano, che si intitola proprio La bibliografia del libro antico e che in qualche modo rappresenta, con la consueta chiarezza di Gilmont, un po' la summa, se vogliamo, del suo percorso bibliografico. Tutti questi scritti, che ho sommariamente ripercorso, ma che appunto andrò a citare più dettagliatamente appunto nella relazione per gli atti, tutti questi scritti hanno, a mio avviso, un filo conduttore che si sviluppa intorno a tre concetti chiave che ritornano più volte, su cui Gilmont insiste in maniera particolare e su cui insisteva spesso anche nei colloqui personali che abbiamo avuto e che ricordo sempre con grandissimo piacere. Il primo concetto chiave è quello del metodo. Non ci si improvvisa bibliografi, occorre imparare prima di tutto, e qui sta il senso anche di 23 anni di lavoro sulla bibliografia del libro antico prima di arrivare alla bibliografia di Jean Crespin. Occorre imparare e applicare un metodo o i metodi. Gilmont guarda e applica le varie tradizioni del libro, degli studi bibliografici, non in maniera piatta, su questo ritorneremo tra poco, ma conosce
la tradizione francese, conosce la tradizione italiana, conosce la tradizione tedesca, conosce molto bene la tradizione anglosassone e guarda tutte queste varie tradizioni con occhio critico. La ricchezza appunto del magistero di Gimond sta nell'essere proprio come un punto di confluenza intorno a questi mondi, ma su questo ritornerà, credo, Edoardo Barbieri nel pomeriggio. Il metodo in che cosa consiste? Consiste in tre punti. Il metodo della ricerca bibliografica, ricerca che si svolge soprattutto in biblioteca, il metodo della descrizione bibliografica e il metodo della presentazione dei risultati, cioè anche la produzione di un repertorio bibliografico ha una sua importanza. Potremmo dire che in questi tre passaggi si sviluppa quello che alcuni manuali di bibliografia chiamano appunto la catena bibliografica, cioè tutti i vari passaggi richiedono metodo. Ma oltre a richiedere metodo, richiedono, e arriviamo al secondo concetto chiave, richiedono rigore. La bibliografia in qualche modo è sinonimo di rigore, non può in alcun modo essere approssimazione, perché l'approssimazione non consente di capire i fenomeni. Per Gimond, la costruzione di un repertorio bibliografico, quindi il processo, il lavoro di costruzione del repertorio bibliografico e il repertorio bibliografico che è il risultato di questo lavoro, sono allo stesso tempo un punto di partenza e anche un punto di arrivo. Ne abbiamo accennato. La bibliografia, anche la più perfetta, è un lavoro che non finisce mai, è un lavoro in continuazione, è un lavoro che va continuamente integrato, che si può continuamente integrare con le acquisizioni. Lo stesso Gimond diceva appunto GLN, io la considero conclusa, sostanzialmente conclusa per quello che io posso fare, per quello che io ho potuto vedere, ma se uscissero altre edizioni, se si potesse precisare meglio alcuni problemi legati ad alcune edizioni, si deve fare, ecco, quindi è un lavoro che è in continuo, ma è un lavoro e anche il risultato di questo lavoro non è ancillare rispetto alla storia, è un lavoro che è parallelo. La sua bibliografia, come abbiamo sommariamente accennato, ce lo dimostra, cioè il lavoro storico e il lavoro bibliografico vanno insieme. Per Gimond il lavoro bibliografico non era solo repertoriazione e classificazione di edizioni del passato, ma la comprensione di fenomeni culturali, l'analisi del contenuto attraverso quella del contenitore, la definizione di profili umani e della circolazione dei testi. Quindi è un lavoro da cui poi si diramano una serie di interrogativi, di una serie di problemi, cui poi si tratta di andare a provare a rispondere. Terzo concetto chiave, appunto, che lega questi contributi, è quello della critica. La bibliografia non è un lavoro passivo, ma è sempre un lavoro di critica. Non critica nel senso di, come qualche volta capitato di poter fare, insomma, di fare la filologia delle schede bibliografiche che descrivono una certa edizione. Ma è un lavoro critico per varie ragioni. È un lavoro critico prima di tutto perché non è un lavoro, come ho detto prima, passivo. Altrimenti basterebbe stampare delle schede catalografiche ben fatte di qualche catalogo, di qualche repertorio, adesso in linea se ne trovano tanti, e ho fatto sostanzialmente un lavoro bibliografico, che è esattamente l'operazione che non ha fatto Jean-François Gimond pubblicando il GLN cartaceo, cioè il GLN cartaceo è altra cosa rispetto al GLN digitale. Sono due prodotti diversi non solo perché il GLN cartaceo presenta delle descrizioni più brevi,
Ma perché, come vedremo tra poco, vuol dire un'altra cosa, è un percorso pensato diversamente. Quindi non è un lavoro passivo, ma non è neanche l'applicazione passiva di standard. Gilmont torna a più riprese sulla, in qualche modo, religione, lui usa proprio un termine di questo tipo, la fede, per esempio, nella bibliografia analitica, così come emergeva dal magistero di Fredson Bowers. Cioè, il magistero di Bowers è importante, ma non può essere un magistero intoccabile. L'applicazione della critica si applica anche ai grandi maestri, come può essere appunto un monumento come Fredson Bowers. Ma in che senso? Nel senso che per Jean-François Gilmont ha problemi diversi, nella descrizione bibliografica, richiedono soluzioni diverse. Voglio dire che è il libro a porre i problemi, non la descrizione che in qualche modo condiziona la produzione del libro. Noi oggi siamo forse fin troppo abituati, anche e soprattutto nel mondo accademico e soprattutto per ragioni concorsuali, a produrre i libri in funzione della descrizione bibliografica. Ma non è così, cioè, è esattamente il contrario, cioè il metodo, è la scheda bibliografica, è il metodo bibliografico che tenta di rispondere a delle situazioni che si vengono a creare nel momento della produzione del libro, e questo dal 400 fino ai giorni nostri. Da questo punto di vista è interessante vedere come Gilmont sa ragionare intorno ai problemi che pone il libro del 500, ed evidentemente è una caratteristica dei bibliografi belgi. Mi piace accostarlo in questa sede a un altro grande bibliografo belga, che però si occupa di molto più anziano di Gilmont, e che si occupava però di libro a stampa del 400, cioè Marie-Louis Pollen. Il problema di Pollen, come di tutti gli incunabolisti, è soprattutto il problema delle edizioni sine notis, cioè delle edizioni del 400 che non hanno i dati bibliografici, quindi il problema dell'attribuzione dell'edizione. Problema che è diverso nel libro del 500, adesso semplificando molto, però leggendo gli scritti di Gilmont questo emerge in maniera molto chiara, in cui ci sono problemi diversi, il problema delle differenti emissioni, il problema delle contraffazioni, tutta questa serie di problemi legati al libro del 500 e in particolare al libro riformato del 500, presuppone appunto una serie di strategie di descrizione del libro che permettono di adattarsi a questi fenomeni e spiegarli. Ecco perché è importante anche leggere le bibliografie. Leggere le bibliografie ci permette di, anche se non è appunto, lo dice Gilmont stesso nella lettera summenzionata, nessuno va in spiaggia portandosi i cataloghi di Adams o altri cataloghi di libri a stampa del 500. Però leggere un repertorio bibliografico, anche leggerlo dall'inizio alla fine, è una lettura istruttiva, ci permette di imparare come si fa, ci permette di imparare come è stato concepito quel repertorio, ci permette anche di applicare eventualmente in maniera diversa delle soluzioni efficaci in quel contesto, ma non nel contesto magari in cui noi lavoriamo. Tutto dipende sempre dall'obiettivo che il bibliografo si pone. E ovviamente, e anche questo è un altro tema che ritorna negli scritti di Gilmont, dalle possibilità del bibliografo, possibilità in termini di tempo e possibilità in termini economici. Io posso avere i più grandi slanci bibliografici del mondo, ma poi non avere le risorse, cioè, o trovarmi davanti a un progetto che immediatamente capisco che è irrealizzabile. L'obiettivo di una bibliografia spesso, anzi direi quasi sempre, non è un obiettivo imposto, è un obiettivo che si dà il ricercatore, che si dà il bibliografo, cioè voglio arrivare a questo traguardo.
il valore di una bibliografia, e su questo Gilmon insiste tantissimo nelle recensioni che fa a vari repertori bibliografici, sta proprio nella capacità di rispondere a questa domanda di partenza. Cioè, tanto più il mio repertorio è buono, cioè tanto più io sono capace di fornire una risposta a questa mia domanda di partenza e quindi rispondere all'obiettivo che mi pongo, tanto più il mio repertorio è buono, anche se non risponde a degli standard bibliografici. Quindi un repertorio buono non è buono perché ha applicato la regola, ma perché è stato coerente e ha trovato le soluzioni migliori per quello che voleva dire. Un repertorio bibliografico, qualunque esso sia, dice sempre qualche cosa, vuol dire qualche cosa. In questo sta in qualche modo il senso della storia della bibliografia, che non è solo la sterile successione di repertori bibliografici che vado a raccontare, ma è la storia di un metodo bibliografico ed è la storia di come si è risposto nel corso del tempo a esigenze diverse e ad obiettivi diversi. Un repertorio bibliografico poi, e vado verso la conclusione, necessita anche della chiarezza. Spesso il seguire passivamente degli standard non ci permette di essere chiari, non solo perché non ci permette di dire quello che vogliamo dire e quindi perché non possiamo piegare la descrizione a quello che vogliamo dire, ma perché in qualche modo una bibliografia deve rivolgersi, e su questo Gilmon insiste più riprese, anche al pubblico non specialista. Qui sta forse la critica più non solo qui, ecco, sta una delle critiche più radicali al magistero di Bowers. Cioè, laddove la descrizione bibliografica diventa eccessivamente criptica, anche se effettivamente spiega tutto, dice tutto, ma non è più comprensibile e non è più immediatamente intelligibile, la bibliografia in qualche modo ha perso la sua strada, è uscita un po' dal suo percorso. Per Gilmon la bibliografia è piuttosto un linguaggio comune che impariamo, che conosciamo, e qui è il valore anche della formazione del bibliografo, è un linguaggio con cui ci capiamo, ma con cui sappiamo anche dire delle cose. Se non ci si capisce, se il lettore non capisce, la bibliografia non serve a nulla. E in questo senso i lavori bibliografici di Jean-François Gilmon spiegano sempre i fenomeni. Poi lui ritorna magari in un articolo a descrivere tante cose, addirittura in un racconto come abbiamo sentito in Maître Abel, ou l'imprimeur trompé. Ma leggendo la stessa scheda, bisognerebbe, secondo Gilmon, arrivare a capire che cosa è successo nell'officina tipografica, per cui perché una determinata edizione si presenta in quella maniera. Da questo punto di vista, l'abbiamo già sentito, lo richiamava anche il preside proprio in apertura, Gilmon non usa termini diversi e non canonici per definire la bibliografia. La definisce un'arte, la definisce una disciplina artigianale, addirittura la definisce nella postfazione di Gélène Cartaceo un bricolage. Ma nel definirla così non vuol dire che è un'approssimazione, che è un arrangiarsi. Vuol dire quello che abbiamo detto e quello che spero di aver detto in maniera chiara, cioè che io davanti degli strumenti che piego tutte le volte alla mia esigenza. Cambiano gli strumenti, quindi, ma non cambiano i concetti chiave che abbiamo espresso. Ecco perché gli scritti di Gilmon, oltre al contributo scientifico importantissimo che hanno offerto, continueranno a trasmettere a lungo la sua voce, che è la voce di un maestro degli studi bibliografici. Grazie.
Siamo molto grati a Luca perché intorno a questi quattro termini di metodo, rigore, critica e chiarezza ci ha mostrato un po' proprio, oserei dire, la filosofia del metodo bibliografico di Jean-François. Poi naturalmente questo andrà dettagliato in tanti particolari, in una descrizione più minuta, ma che gli siamo grati di aver riservato agli atti, perché sarebbe stata molto difficile da seguire a voce. Bene, passiamo all'ultima relazione di questa mattina, siamo un 10 minuti in ritardo, ma appunto le cose non vanno abbastanza bene. La relazione è di Max Engammar. Max Engammar è dottore in teologia, storico della riforma, biblista, ha studiato all'Università di Ginevra, quella di Losanna, è stato ricercatore presso l'Istituto di Storia della Riforma, appunto dell'Università di Ginevra, e ha pubblicato anche i sermoni di Calvino sul libro di Isaia. Fa parte di diverse organizzazioni internazionali, tra cui l'Accademia Royale de Belgique, ma soprattutto noi lo conosciamo perché dal 1995 è il direttore delle edizioni DROS di Ginevra. A lui si devono diversi studi, diversi volumi, ricordo solo il più recente perché è stato pubblicato anche, tradotto anche in italiano, è l'invenzione della puntualità nel XVI secolo, uscito per Claudiana nel 2015, è un po' un gioco anche, però un libro serio, storicamente basato, fondato, diciamo così, che mostra anche questi percorsi di ricerca molto originali, nei quali talvolta Max a quali si dedica. Oggi ci terrà compagnia, Max è stato un grande amico di Jean-François, Gilmont, e ci parlerà di Da Crespin à Calvin, Jean-François Gilmont, historien de la réforme par les livres. A lui la parola. Sì, ti ringrazio, caro Edo, per le troppo gentili parole e per l'invito a partecipare a questo giorno. E non sono un storico del libro, ma posso dire che conosco l'importanza del libro nella storia della riforma. Ma basta con la lingua italiana che parlo cattive. J'essaie aussi de mettre voilà. Permettez-moi de commencer par un souvenir ancien, ma première rencontre avec Jean-François, à Noyon, au cours du colloque Olivetan de mai 1985. Encore étudiant en théologie, je voyageais dans les valises de Samuel Amsler, professeur d'Ancien Testament à Lausanne, qui connaissait mon intérêt pour Pierre-Robert Olivetan. Je rencontrais dans la ville natale de Calvin deux historiens qui m'ont marqué, Jean-François et Bernard Roussel, qui nous a quittés au début de ce mois. Et j'ai pu échanger avec tous les deux. Lors du lancement du colloque, après les discours officiels, Jack Lang, ministre de la République, signait des papiers. Pendant la première communication, car il était resté. J'étais placé en parfaite diagonale et je l'observais, automate à la plume baissée, levant régulièrement la tête vers l'orateur avec son sourire charmeur et absent. Quand le ministre de la Culture français quitta la salle, après cette première communication, plus de la moitié des occupants de la salle se leva avec lui, ce qui permit à Jean-François au micro de nous dire
nous sommes maintenant entre nous. Tout son humour et son franc-parler en quelques mots. Si j'avais regardé Jack Lang, j'avais écouté Jean-François Gilmont. Je m'intéressais à Olivetan en philologue débutant et je découvrais la matérialité de la Bible de 1535. La communication de Jean-François fut une révélation. Elle est publiée dans les actes du colloque de 1987, que vous voyez sur la gauche de l'écran. Mais on trouve le solide échafaudage dans un article du musée neuchâtois, et souvent Jean-François a déposé des perles dans des endroits impossibles. Qui est abonné au musée neuchâtois? Mais c'est là, dans un article de 1985, qu'il y a tout l'échafaudage sur la matérialité de la Bible d'Olivetan, ainsi qu'une reprise que vous pouvez lire dans le livre et ses secrets, qui est un mélange de ces deux communications. Alors que les premiers pamphlets hérétiques en français étaient de petit format, des in-octavo surtout, apparaissait un premier in-folio imprimé en sécurité à Neuchâtel, gagné à la Réforme en 1530, grâce à l'action de Farel. Jean-François nous rappela le synode vaudois de Champforan, la présence de Farel, qui obtint la somme colossale de 800 euros de la part des Vaudois pour le financement de la Bible. Il continua en parlant d'une impression commencée entre janvier et mars 1535, selon l'importance du tirage, entre 630 et 1300 exemplaires. Sur le nombre de presses sur laquelle s'il y avait une ou deux presses pour fabriquer la Bible. Développement des questions financières et matérielles fascinantes. Et là, patatras. Jean-François nous dit que cette Bible fut un échec commercial, qu'on pouvait encore en acheter un exemplaire neuf chez Jean-Antoine et Samuel de Tourne à Genève en 1670. C'est qu'il était impossible dans les années 1530 d'exporter en France de lourds in-folios. Je le cite, « Imaginez le colporteur passant discrètement les Vosges avec une dizaine d'ouvrages interdits pesant chacun 5 kilos. » Fin de citation. Ce n'est pas tout. Jean-François continua le déboulonnage de la statue du commandeur réformé. La gothique bâtarde, le caractère de Pierre de Vingles, était passéiste. La Bible à l'épée de 1540 qui suivit était un in quarto composé en caractère romain. L'orthographe était différente. De Vingles n'utilisait pas d'accent, pas d'apostrophe, avec une ponctuation rudimentaire. Enfin, certaines orientations théologiques n'avaient peut-être pas plu à Genève, en particulier à Calvin, concluait Jean-François, en ajoutant une note sur le prix de vente de cette Bible, entre 1 et 2 écus, un prix élevé. Intéressé par les questions matérielles, Jean-François avançait des éléments spirituels, car il avait lu toutes les pièces liminaires du livre dont il faisait l'histoire. C'était littéralement renversant. Et vous savez, on l'a déjà évoqué, c'est que un bibliographe, normalement, ne lit pas beaucoup de livres, ne se plonge pas vraiment dans le contenu. Jean-François, lui, s'est plongé dans le contenu, et je l'ai entendu dire aussi que celui qui écrivait la bibliographie, qui construisait une bibliographie, qu'elle soit de Crespin, de Farel, de Calvin, était le premier qui pouvait utiliser cette bibliographie pour écrire une monographie. Lors de mon mémoire de théologie de 1987, je retins la leçon et je comparais la traduction du Cantique des Cantiques de 1535 avec les livres de Salomon de 1538 chez Jean Girard, Olivetan ayant infléchi son annotation dans un sens ecclésial. La meilleure preuve de l'influence d'un historien est le chemin qu'il amène son lecteur à suivre. Pour ma thèse, je construisis un répertoire bibliographique des éditions de textes et de commentaires avant de les ouvrir. Jean-François m'avait inspiré, et je dois aussi ajouter Reinhard Bodenmann.
En étudiant la réforme protestante, d'autant plus en ses débuts, on ne peut jamais ignorer la matérialité du livre, l'archéologie du livre, pour adopter l'expression que Jean-François préférait, et on lit les textes. Vous connaissez tous le parcours de Jean-François, et je dois dire que j'ai mieux appris les débuts avec l'intérêt jésuite grâce à la magnifique communication de Robert Goding, là, maintenant. Parce que Jean-François en parlait peu. On savait évidemment qu'il venait de ce milieu, qu'il s'est intéressé à Ignace de Loyola. Mais on pourrait même synthétiser le travail de Jean-François, la vie intellectuelle et bibliographique de Jean-François autour du collège de Montaigu, si vous me permettez. C'est une blague, mais en même temps, c'est une réalité. Pourquoi ? Collège de Montaigu, qui a vu Ignace de Loyola, Jean Calvin, même Pierre Viret, qui y fut, sans compter Erasme, grâce à la collaboration dont Alexandre nous parlera cet après-midi. Avec deux écarts pour Jean Crespin, qui étudia au collège du Faucon à Louvain, vous le savez, et Guillaume Farel, qui fréquenta le collège du cardinal Lemoine à Paris après sa maîtrise. On ne sait pas bien quel est le collège qui lui permit d'avoir sa maîtrise S.A. Nous avons lu les livres de Jean-François, ses recherches sont devenues nos évidences, et nous avons en mémoire le tercet d'Anne, de Béatrice ou de Sophie pour une fête des pères, mais je ne le prononce pas maintenant parce que je sais qu'il sera prononcé cet après-midi. J'ai eu la chance de lire les trois volumes de la Bibliotheca Calviniana en manuscrit, ou plutôt en épreuve, car Jean-François assumait la mise en page qu'un compositeur ne détruise pas toutes ses données. Je lis encore les manuscrits de Jean Calvin et le livre imprimé, Le livre et ses secrets, GLN 1516. Le livre, car j'étais convaincu de l'intérêt du volume papier. Et Jean-François m'avait donné ce qui est devenu la postface de GLN 1516 en me disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et nous en avions parlé aussi avec Alexandre. Il y a des « C'est parfait à cet endroit, mais comme monographie, ça n'aurait peut-être pas pu passer. » Et nous avions parlé avec Alexandre et je lui ai dit « Je suis prêt à publier le volume papier GLN 1516 », ce qui avait étonné Jean-François. C'est évidemment pas complet, Dominique nous l'a rappelé tout à l'heure, il y a moins de notices, mais c'est un livre et c'est un autre usage de la bibliographie que l'on peut avoir avec ce livre. Alors, il faut que je passe là, voilà. Donc, j'ai acheté et lu La Réforme et le Livre dès sa parution en 1990. Magnifique enquête pluridisciplinaire à l'échelle européenne sur l'influence de l'imprimerie sur la Réforme. Jean-François percevant le glissement de la matérialité du livre à l'étude des lecteurs, donc déjà à ce moment-là, dans une composition, une mise en page qu'il a assumée lui-même, voire le colophon, on ne voit ça qu'au colophon. Jean-François m'a encore offert d'autres livres, dont évidemment Maître Abel. Il m'avait dit « Tu as remarqué la particularité typographique avec ce petit retrait à chaque page ou chaque double page pour chaque mini-chapitre ?» C'était une volonté et je crois que c'est Béatrice, parmi ses filles, qui l'a aidé à faire ça. C'est donc un compagnonnage de 35 ans, une amitié de 30 ans avec Jean-François, historien de la Réforme par les livres. Il ne se passe pas une semaine, où je ne prends pas en main un livre de Jean-François. Et pourquoi je vous montre la Bibliotheca Calviniana? Parce que elle est, vous reconnaissez les trous d'une bibliothèque Billy, dans l'appartement Genevois, mais c'est un outil que j'ai ici dans mon bureau chez Drault, que j'ai aussi dans le Jura,
Évidemment, il me faut partout la Bibliothèca Calviniana. Vous me permettrez de ne pas résumer chacun de ces livres, mais de relever des éléments essentiels de la manière qu'avait Jean-François de faire l'histoire du premier siècle de la Réforme francophone par les livres, à l'exemple de ses travaux sur Crespin, puis sur Calvin. L'exceptionnel chez Jean-François fut l'alliance de la profondeur de vue historique et de l'intelligence bibliographique. Et quand on étudie Jean Crespin ou Jean Calvin, on ne peut se passer de ses travaux. Les ignorer conduirait à une répétition stérile ou pire, à des erreurs. Les livres de Jean-François sont incontournables. Et puisque je m'occupe de la nouvelle édition des Calvini Opera De Nuova Recognita, ça m'arrive encore, en 2020 ou pas encore en 21, de demander à l'éditeur du texte critique de ne pas faire seulement une présentation bibliographique des éditions, mais de se référer à la Bibliotheca Calviniana. Dans l'introduction de sa thèse, Jean-François définit en quelques expressions succinctes et brillantes les recherches concernant un éditeur des premiers siècles de l'imprimerie. Et c'est la citation une dans l'exemplier en italien. Je lis. L'activité d'éditeur-imprimeur laisse des traces spécifiques. Aussi l'historien doit-il les rechercher dans des directions déterminées. Au stade actuel de la science historique, les sources spécialement riches peuvent être ramenées à 5 catégories. Archives privées, correspondances, archives de la censure et des privilèges, archives notariales et, last but not least, le livre lui-même. Cette énumération théorique varie cependant dès qu'on l'applique à un cas particulier. L'accent sur le livre lui-même, pourrait apparaître comme un truisme. Un bibliographe ne prend-il pas les livres en main? Pas toujours, vous le savez. Et Jean-François a rompu des lances contre Martinus Lipenius, le prolixe bibliographe du XVIIe siècle, et on a vu aussi un peu contre Sommerfogel, qui n'avait pas tout vu, même si on apprécie d'aller voir sa bibliographie ancienne. Il a aussi rompu quelques lances contre Henri-Jean Martin. Vous avez certainement quelques souvenirs et ce repas où ils se trouvent tous les deux ensemble après plusieurs années. Mais c'est une autre lice. Les catalogues offrant un succès d'année pas toujours paresseux, alors que le fait d'avoir pris le maximum de livres en main n'évite pas les approximations. Je ne donnerai pas d'exemple. Mais on le sait. Ce fut pourtant une revendication forte de Jean-François, celle de s'inscrire dans la bibliographie matérielle à l'anglaise, tout en s'en démarquant, car Jean-François ne pouvait pas ne pas lire les livres qui passaient entre ses mains. C'est vrai qu'il ajouta les fameuses empreintes dans les descriptions bibliographiques de Crespin et de Calvin, non dans celle de Farel de 83 qui suit celle de Crespin de 2 ans, la publication, et presque 6 ans pour la réalisation. Pour Farel, il nous confie s'être appuyé sur la toute récente International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications. Note d'un petit haut suscrit les livres passés entre ses mains, mais ne retient pas l'empreinte. On doit d'ailleurs remarquer que les empreintes présentes dans la Bibliotheca Calviniana ne sont plus reproduites dans GLN 15-16. Alors, c'est aussi un accord entre la BGE et DRO, mais pour les livres de Calvin, mais même pour les livres qui ne sont pas de Calvin. Petite entorse à la New Bibliography. Toujours dans sa thèse, dès la préface, Jean-François nous dit ce qu'il considère comme son originalité. C'est la seconde citation. J'ai la prétention d'innover par la méthode d'approche, par l'accent mis sur le livre-objet
comme source pour l'historien. En dressant la bibliographie des éditions crispiniennes, il a été possible de reconstituer une documentation cohérente. Les méthodes de la bibliographie matérielle m'ont permis d'en tirer une vue d'ensemble de l'évolution de l'officine typographique de Crespin. L'analyse des éditions constitue donc ma source fondamentale. En l'absence d'archives de l'imprimerie Crespin, puis Vignon, de la correspondance de l'avocat d'Arras, de sources notariées abondantes, le livre avec une bibliographie précise de plus de 250 éditions, 257 exactement, fut la source principale de Jean-François. Mais évidemment, Jean-François, si intelligent, allait voir toutes les sources autres qui existaient, comme là, le dictionnaire de Bell, dont il nous parle dans la bibliographie et la notice Crespin. La bibliographie matérielle ne peut faire l'économie de la description, c'est son objet. Mais Jean-François a dépassé l'érudition bibliographique pour faire parler les livres. D'une certaine manière, on pourrait presque le qualifier de bibliologue. Mais l'expression ne restera pas, ça ne convient pas. Il fait parler les livres. Le résultat fut remarquable. Plus de 1500 pages. Et donna naissance à 3 livres en 4 volumes. Quand Jean-François, et évidemment, il y a, c'est un peu volontaire, puisque je suis allé voir les archives de la maison, quand il écrit en mai 1977 à Alain Dufour, en lui envoyant un exemplaire, accompagné d'une longue lettre, c'est ce que vous voyez là à gauche, il souhaitait qu'Alain ainsi qu'Henri Mélan y jetasse un coup d'œil. Les 3 volets étaient constitués d'une introduction méthodologique sur la bibliographie et ses enseignements, c'est le petit livre hein, du manuscrit à l'ère électronique, sur l'organisation donc de l'imprimerie au XVIe siècle, le livre sur Crespin, 380 pages, et la bibliographie crispinienne, 2000 pages. Jean-François soumettait d'abord à Alain la partie méthodologique, avec réserve, confiant qu'il avait un peu peur que notre amitié vous enlève quelque chose de votre liberté d'éditeur. Aussi vous demanderai-je de ne pas craindre de donner franchement votre avis. Il entrait ensuite dans des détails éditoriaux de répartition. Alain répondit en éditeur prudent. Je pensais bien que vous prépariez un très gros ouvrage sur Crespin, mais je dois dire que le résultat final est encore plus impressionnant et gigantesque que tout ce que j'avais imaginé. Alain réclamait ensuite du temps à Jean-François pour lire et réfléchir à l'édition. L'échange fut fructueux. La lecture d'Alain minutieuse, il y a 5 pages de notes dans le dossier de Jean-François. Ainsi, abréger la bibliographie, surtout de la page 24 à 92, notait-il pour lui. Et il opta pour le livre sur Crespin, à l'étonnement de Jean-François. Si je rappelle ces détails éditoriaux d'un siècle plus proche, c'est que l'innovation de Jean-François eut besoin de 3 éditeurs pour se diffuser. C'était un temps où l'éditeur d'érudition pouvait imposer des réductions drastiques, avec raison et justification. D'autant plus qu'Alain Dufour ignorait peu de l'édition genevoise du XVIe siècle. Il écrivit, vous le savez, le premier GLN, d'une certaine manière, avec les amis genevois. Vous connaissez Jean-François. Il se démena, prit d'autres contacts. Et là, peut-être une petite anecdote. Nous prenions un verre à l'issue d'un colloque avec Jean-François et quelqu'un vient vers moi et je présente Jean-François en disant qui il était et j'ajoute
un de mes auteurs. Et Jean-François tend à ce moment-là le bras vers moi en s'adressant à cet ami dont je ne vois plus le visage en disant « l'un de mes éditeurs ». Voilà. Donc, et ben, c'était déjà ça pour la publication de sa thèse, figurez-vous. Parce que Alain Dufour ne lui proposait qu'une édition dactylographiée de la bibliographie, comme on trouve dans la thèse d'Olivier Facio. Il lui a même envoyé quelques pages de la bibliographie de Lambert Dano pour lui dire « ben voilà ce qu'on pourrait faire ». Jean-François n'était pas convaincu du tout. Et c'est grâce à la directrice de la Bibliotheca Belgica qui prenait et finançait la totalité de la partie bibliographique, les volumes qui sont parus chez Gasson. Donc, Jean-François voulait une composition typographique de sa bibliographie, alors que, évidemment, un historien de la Réforme, mais un historien du livre, il voulait que l'outil soit parfait, les deux volumes chez Gasson sont parfaits, chez Gasson sont parfaits. Et puis, un clin d'œil à Jean-François, à côté de sa lettre, c'est la petite feuille de calcul d'Alain Dufour. Le livre de 1981, réduit à 296 pages, fut imprimé à 800 exemplaires. Il coûta 19 217 francs suisses, hein, donc on est à l'euro actuellement, on est autour de 17 000 euros pour un livre, certes relié, toilé, mais qui fait moins de 300 pages. Donc près de 9 000 francs de composition, le poste le plus élevé. Il y a une subvention de 100 000 francs belges, vous la voyez ici, 5 000 francs suisses, en fait 4 730 exactement. Furent reçus. Le prix de revient unitaire de fabrication fut de 18 francs suisses et le prix de vente suicidaire, parce qu'avec une clé de 4, fut de 72 francs. Là, vous voyez les exemplaires d'auteurs qui ont été envoyés le 21 septembre 81. Jean-François composa un texte magnifique d'une synthèse parfaite pour le petit prospectus. Il est là en italien, je vous le lis en français. Jean Cressman est l'auteur du fameux martyrologe protestant qu'il lança sur le marché en 1554 sous le titre « Le livre des martyrs ». Et on voit là toute la carrière de Jean-François qui commence en effet par Ignace de Loyola, passe au livre des martyrs, Cressman, de Cressman qui a tellement édité Calvin que l'on passe à une bibliographie de Calvin. Il est aussi l'un des principaux éditeurs genevois du vivant de Calvin. De 1550 à 1572, il a pris une part importante dans l'effort de la diffusion de la doctrine réformée. Si l'on n'a jamais perdu le souvenir de son œuvre, et vous avez vu chez Pierre Bell, il y a en effet une notice pour Crespin, et si son nom est connu des spécialistes de la Réforme, aucune étude approfondie ne lui avait été consacrée jusqu'à présent. Retrouver les grandes lignes de sa politique d'éditeur, les sources de financement de ses éditions, l'évolution de sa firme, ses préoccupations théologiques et littéraires, telles que le tente Jean-François Gilmont, pouvait sembler une gageure, puisque les sources d'archives à son sujet sont fort rares. La reconstitution systématique de son catalogue d'éditeurs, plus de 250 éditions, et l'examen de sa production typographique menée à la lumière des récentes techniques de bibliographie matérielle, mises au point par les anglo-saxons, ont permis de proposer une vue d'ensemble sur un des rares éditeurs genevois qui, à cette date, a réussi à faire prospérer sa firme malgré un contexte économique difficile et sans cesse mouvant. Le livre, principal objet de cette recherche, y apparaît comme le lieu de rencontre de facteurs idéologiques, économiques et techniques. C'est-à-dire que toute la manière
de toute la façon, j'aurais presque envie de dire, dont Jean-François a fait l'histoire du livre et l'a synthétisé d'une manière brillante. J'ai le plan du livre, mais je vais passer pour ce qui m'a intéressé, parce qu'il y avait dans le dossier toutes les recensions reçues. Attention, tous les éditeurs n'envoient pas les justificatifs des volumes, mais on en a quand même une grande partie. Vous avez ici la liste des revues qui a été envoyée par Jean-François, les traits pour ce qui a été envoyé et le petit prospectus. Et ces recensions sont tout à fait intéressantes pour la manière dont fut reçu le livre de Jean-François. Les recenseurs louèrent la construction de la documentation de Jean-François, l'élaboration de son outil bibliographique. Louis Desgraves fut très descriptif dans le bulletin des bibliothèques de France, comme Georges Bonnand, l'ambassadeur suisse bibliographe, dans la revue d'histoire suisse. Pire encore, FZ, dans Archiv für Reformationsgeschichte. On se demande si le rédacteur de la notule des nouvelles du livre ancien a seulement feuilleté le livre, car il fait mention de nombreux documents d'archives sur les 6 lignes qu'il écrit. En 1982, même quand les historiens du livre ancien français ne voient que quelques documents d'archives, un effet grossissant les multiplie. La notice dans la nouvelle revue théologique est plus rigoureuse et rend justice à la thèse de Jean-François quand l'apport des sources classiques, archives, etc., très pauvre en l'occurrence, n'eût pas conduit bien loin. C'est ça la réalité. Dans une longue recension dans le BSHPF, Michel Roylos rend compte des 3 livres comme d'un ensemble remarquable. Daniel Robert, dans le bulletin du Centre protestant d'études, indique que l'auteur est belge et catholique, mais il n'apporte pas grand-chose, la moitié du bref compte-rendu sur le martyrologe. Tout en relevant que Crespin fut un homme d'affaires avisé, pour terminer un compte-rendu protestant, calviniste presque caricatural des intérêts protestants. Helmut Urban, dans le Dresden Antiquariat, regrette que l'auteur ait été obligé de scinder sa thèse. Il faut bien un recenseur allemand pour ne pas avoir peur de 1500 pages. Il a lu attentivement et relève l'intérêt de la méthode à faire parler les livres eux-mêmes. Le recenseur de Gutenberg-Yarburg est tout aussi élogieux, faisant le parallèle avec ce que Rory avait fait pour Aldo Manuzio. Ernst Kohr, dans la Theologische Literaturzeitung, est enthousiasme. Eindrucksvoll, wichtig, genaueres. Pour finir par cette louange, que je vous lis en allemand, mais vous avez un petit bout de la traduction italienne. Hein? Gilmonsbourg ist neben bereits vorhandenen Untersuchungen über Burgdrucken des 16. Jahrhunderts getreten und hat dort eine neue Qualität erreicht, weil sich der Methode der analytischen Druckforschung bedient. Donc, voilà, c'est la méthode de la recherche analytique de l'édition. Dans Renaissance Quarterly, Robert Kingdon loue le livre de Jean-François, A Superb Contribution to Our Knowledge of 16th Century Book Production. De même, Robert Kolb dans le 16th Century Journal. Le livre, ce book, offers an analysis of one of the key enterprises and support systems of Calvin's movement. Kolb relève l'aspect technique du métier d'imprimeur au XVIe siècle. Dans Zwigliana, c'est l'ami Francis Higman qui lit longuement tout le bien qu'il pense de l'entreprise. David Shaw dans The Library rappelle que Jean-François est déjà connu des lecteurs de The Library en raison de son article « Printers by the Rules ». Et j'étais très content de relire cette mention parce que j'avais oublié cet article fondamental de Jean-François que j'ai lu
il y a une trentaine d'années. Et donc, Printers by the Rules est en effet un article très intéressant. Philippe Denis écrit un bref compte-rendu positif dans la revue théologique de Louvain, sans entrer dans les détails. De même, Giovanni Gonet dans Protestantesimo. Positif, mais superficiel, alors que le bon pasteur Brackmann, dans le bulletin de la Société protestante belge, décrit brièvement. En conclusion de ce parcours de réception immédiate de la thèse de Jean-François, sachant que je n'ai peut-être pas tout reçu et que les annales ont peut-être écrit un texte ou la revue française d'histoire du livre, mais il n'y en avait pas dans le dossier, on remarque que les historiens du livre français sont réservés, silencieux ou ne remarquent pas l'intérêt de la démarche. Davantage, et je n'ai pas été regarder les comptes rendus qu'il y eut quelques années juste auparavant pour la thèse d'Annie Parent sur les métiers du livre à Paris, et je suis sûr qu'on a beaucoup plus de comptes rendus français pour ce livre paru quelques années aussi précédemment chez Drou. Pendant que les anglo-saxons sont tous convaincus par la méthode, et les protestants réformés, francophones ou lointains, jubilent, mais sans être pertinents, sans bien voir, c'est juste parce que c'est en l'honneur de Calvin, mais ils n'ont pas vraiment étudié à fond la démarche. En histoire de l'art, le connoisseurship, pendant des décennies, fut has-been. Seule l'histoire de l'art conceptuel avait voix au chapitre académique et médiatique. En bibliographie aussi, nous avons tous lu de grandes synthèses nécessaires dont les auteurs n'ont pas une goutte d'encre d'imprimerie au bout des doigts. Jean-François s'est sali les doigts dans l'officine de Jean Crespin, puis dans celle de la grande majorité des imprimeurs genevois. Il n'y a pas d'autre moyen pour acquérir un connaisseurship qui aide à l'identification des textes anonymes ou des livres sans adresse typographique. Dans l'introduction de son Farel, Jean-François met en avant le désir de rompre l'anonymat des auteurs et des imprimeurs du XVIe siècle par la connaissance du matériel typographique et des pratiques individuelles. Par celle ensuite de l'identification de l'homme par le style, par la structure de sa pensée, par les habitudes d'écriture, par les larcins polémiques aussi. Dans sa lettre à un bibliographe débutant de 1991, reprise dans le livre et ses secrets, et Dominique nous l'a lu tout à l'heure, Jean-François s'inscrit bien dans ce connaisseurship. La bibliographie n'est pas une science, c'est un art. Et je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter trop et vous parler encore 10 minutes de Jean Calvin. Vous savez tous que je pourrais le faire au moins plusieurs heures. Je vous remercie. Questo ritratto così editoriale di un libro bibliografico è anche di estremo interesse proprio anche per il metodo ed è una testimonianza interessantissima, viva, reale del lavoro appunto che Jean-François ha condotto. L'ora si è fatta però un po' tarda, non ci sono di per sé domande, mentre Anna Gilmont protesta la sua presenza appunto di autrice anche di Metrabel, noi la ringraziamo di questo intervento così simpatico e affettuoso e quindi si legge il commento appunto dell'affetto che viene fuori da questo anche riferito proprio all'intervento di Max Engammar. Noi ci fermiamo perché è l'ora anche di riposare un attimo. Abbiamo naturalmente un appuntamento oggi pomeriggio alle 3 esatte ora italiana. Ricominciamo il nostro colloquio. Avremo Lorenzo Di Leonardo, Alexander Van Oudgarten, avremo Lisa Schwarzfuchs,
e poi io stesso, ci presiederà Luca Rivali, alle 3 esatte ricominciamo. Io ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno potuto seguire in parte o con più calma, molti anche degli Stati Uniti hanno chiesto proprio che la registrazione resti online perché l'orario diventava impossibile e quindi si collegheranno, l'ascolteranno nei prossimi giorni. Ringrazio tantissimo i nostri relatori, perché Dominique Varry, Robert Godding, Luca e Max Engammar ci hanno dato una lezione di metodo, di serietà, di come si presenta un lavoro bibliografico e una ricerca bibliografica. Grazie davvero, saluto tutti, buon pranzo, a più tardi. Arrivederci, grazie.